Bonsoir tout le monde, bienvenue. Vous êtes sur différents streams sur Iva Sound Studio de mon côté, chez Imra Wo, chez Mr. Green et chez Rimfire. Et pour jouer avec nous ce soir sur Among Us, il y a Draken, Imra, Mr. Green, Ralga et Rimfire. Et une petite nouvelle, je vous la présente, c'est Billy. Billy, vous la connaissez pas, mais moi je la connais. Je la connais depuis quelques jours. C'est une des personnes volontaires sur la session Radio Caravane. Et voilà, elle est un petit peu curieuse de ce qui se passe autour de Radio Caravane et donc un petit peu aussi sur Iva Sound. Donc elle participe ce soir avec nous sur Among Us. Bonsoir Billy. Bonsoir. Oh putain, la pression que tu lui mets, quoi. N'importe quoi. Ça devrait aller. Ça va Ça. aller. Non, Alors non. juste, je suis très extrêmement débutante sur Among Us, donc Aucun ne problème. t'inquiète pas. Tu joues à ton niveau. On est tous à des niveaux différents. Donc Voilà. Après, c'est une dans nouvelle map, donc ça va. voilà, on est sur la map Airship pour vous aider et Billy également. Dans le canal Mardiva Sound sur Discord, le canal C'est écrit. bon. Elle est sur mon deuxième écran. Voilà, en fait, La map. j'allais parler de la map. Bon, ben voilà, petite présentation de la map. Voilà, mon intro de Quel map est beau toute nom quand cassée. même. Oh là là, Incroyable. voilà. Je suis ébloui à chaque fois que j'entends. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Je sais plus. Mardi va Oui, sound. ça, oui. Donc la map est épinglée dans Mardiva Sound. Le principe de ces Mardiva Sound, pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas, et celles et ceux, c'est tout simplement de jouer en communauté, d'essayer d'apprendre à se connaître, mais surtout, d'apprendre à s'exprimer, et notamment sur Among Us, à argumenter et à débattre dans ce jeu qui est clairement un outil très ludique pour tout ça. Même si, bien sûr, on peut jouer à se trahir, à faire des coups de maître. Et là, c'est tout un aspect de comment on dit, de convaincre les gens, quoi. De mind game. Mind game. Stratégie, quoi. De Tout jeu à de fait. l'esprit. Alors, mes chers amis, j'aimerais savoir si vous avez aussi North America en bas à droite de l'accueil ou il faut changer ou pas. Que faut-il faire? Je crois Moi, que j'ai je n'en ai l'impression qu'on pas. est tous en reset en North America. C'est Oui. ça. On reste Sauf sur en ça? Europe. Non, Bon, parce qu'en donc en Europe, Europe, si ça ça va se pas joue ça. causer des lags. Je pense que si. Vaut mieux Potentiellement, passer l'Europe, c'est Europe, je mieux quand pense. Hein. même. Europe, Europe, c'est allez. mieux. Je passe en Europe. Oh mon Dieu, je me suis téléporté en Europe, mais quel talent! Waouh, les technologies de nos jours, hein. C'est Plus ça. fort N'arrête pas le progrès. que nous. Le bruit de téléportation de Mr. Green, c'est le bruit de la télé dans C'est pas sorcier. Écoute, ah, c'est bruit technologique point MP3. Ok, je l'ai fait à la bouche. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai pas grand-chose. Point wave. Point wave. Il est copyright, sinon Non, après non, on non. enregistre. Hein. Point RP. Point Oh là là, RP. incroyable. La folie. C'est quoi Alors. le format de Quick Time? Oh mon Dieu, le Quick C'était le Time, ça point fait des mauve années que de j'ai pas entendu mémoire. ça. C'est Oh, correct. Point waouh. mauve. Ouais. Tout le monde est en Europe, c'est bon? Jamais. Oui. Billy aussi, tu es sur le serveur Oui. européen? Oui, c'est Ok. bon. Qui host? D'accord, ne vous battez pas. Bah, toi. L'impression Oh, ceux d'être qui ont une sur. meilleure connexion. C'est pareil sur les ateliers Radio Caravane. Des fois, tu poses une question, puis là, tu as 3 secondes de silence et ça, ne vous battez surtout pas. Non, mais c'est le fameux principe de qui veut passer au tableau pour corriger Mais oui, l'exercice? mais dans ces cas-là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'idée, c'est de participer. Allez, je crée. C'est avant tout des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Exactement. Nous sommes 7, nous restons à un imposteur. Oui. Allez, c'est bon. Vu la Deux taille de la carte. imposteurs, c'est pas en dessous de 8. D'accord. Alors, pour ceux qui suivent sur les différents streams, il reste encore un peu de place pour ce soir. Vous pouvez nous rejoindre, bien sûr. Bon, vous savez comment nous rejoindre. Le code de ce soir. Attention, nous partons sur des chiffres et des lettres, mais surtout des lettres. Attendez, je vous la faire comment Consonne. cette fois-ci? Consonne. Ah, mais Alphabet à c'est que l'envers. des lettres compliquées. C'est compliqué. Bon, Xavier. Kevin. Philippe, Yolande, Christophe et Francine. Putain, pas facile ce tirage de Scrabble. Hein. Ah, celui-là Punaise, était j'avoue, à compliqué. ça, tu pleures. Hein. Mais sur un mot compte triple, à mon avis, tu marques des points. Oh, bah, va faire un mot avec Aïe, ça, aïe, quoi. aïe. T'as pas précisé dans quelle langue? Ils ont changé la police d'écriture? Ils ont changé la Ouais, police c'est ce que d'écriture, elle est j'étais en vachement train plus de lisible. bugger dessus, ouais.
Étrange. Ouais, le changement fait bizarre, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les réglages sur la... C'est quoi, c'est la gauche de votre écran vous paraissent-ils corrects? Normalement, ce sont les mêmes que la semaine dernière, mais vu qu'il y a une image, une reset, je sais pas trop. Je suis en train de regarder. Attends, c'est... ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Ça avait l'air à peu près équilibré la semaine dernière. C'était très bien, oui. En termes de paramètres. Et la semaine dernière, on était 7 aussi, je crois. On était 6. Mais 7 à partir de 22h la semaine dernière, ouais. Oui, il y avait... Je sais plus comment il s'appelle, un jeune homme. Il y avait Ando à la place de Draken et Diego. Ah oui, à Diego. La place de... Diego. Diego. Libre dans la tête. Je crois que ça dessine à chaque fois, mais le stream du DMCA ou bien... Bah, vu comment on chante, on va pas se faire strike. Il n'y a pas trop de risques, hein, ça va. Surtout si c'est Imra. Allô. Alors attends, sur une échelle de 1 à Ralga, ça vaut quoi? Allô? Ah bah bravo. Ah voilà, on a perdu Imra. Ah bah bravo. Ah, je crois que ça fonctionne. Oh, il y a une petite coupure là. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Oui, Ah, mais ils ont changé toutes les polices d'écriture en fait. Peut-être. Ils ont affiné. Attends, un petit... C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Elles ont un petit tour noir pas piqué des hannetons. Elles l'avaient déjà. Mais c'est pas comme ça. C'est vrai. Bien, nous allons appuyer sur Start. Je vous rappelle de vous bien vous mute sur Discord pour ne pas vous trahir via le son qui pourrait par magie traverser le micro ou par les touches du clavier en mode marteau-piqueur. Le push to talk qui est votre voilà. Ami. La seule chose qu'on entendra, c'est m'étouffer. Hein. Ouais, essaye de pas décéder en direct. Et rappelez-vous, si Jake ne meurt pas le premier, c'est que c'est lui l'impossible. Non, arrêtez avec ça, c'est pas possible. Au moins une partie la semaine dernière. Dis pas, c'est pas possible, c'est vrai. Non, mais on a vérifié ça. La semaine dernière, ça s'est vérifié. Mais oui. Y avait une partie. Ça doit être le quota, tu sais, enfin l'incertitude statistique. C'est ça, les 5%. La marge d'erreur. Voilà, la marge d'erreur. Ouais. Mais prions surtout pour ne pas avoir le coffre comme épreuve. Le coffre. Allez, nous partons sur le Zeppelin, avec un peu de musique très LED, parce que LED Zeppelin. C'est incroyable, il y a des lumières partout du coup. Jake, tu sors. D'accord. Moi j'ai en tête Nine ou Nancy Schlufballon, mais c'est... Oh mon dieu. Ah mais cette chanson quoi. Allez, bonne partie à tous. Bisous. Cordialement. Je suis mute, c'est bon, c'est parti. Nous sommes à la cuisine, il y a plein de choses à faire. Ah, il y a Billy à côté. On va remonter tranquillement. Ah, bah, première chose à faire, sortir les poubelles. Pensez au recyclage. Faites le recyclage, enfin le recyclage, le tri sélectif, c'est hyper important. Tac, tac. Et on va en faire un peu de rangement dans cette armurerie étrange. Étrange armurerie. L'alerte. C'est où déjà là qu'il faut aller? Je crois que c'est par là. Il y a quelqu'un là. J'arrive. C'est Monsieur Vert. On a croisé Monsieur Vert. Je cours, je vole. Et c'est Ralga qui est là. Ok. Ralga qui est là. Monsieur Vert et Ralga ont réparé l'alerte. Monsieur Vert et Ralga ont réparé l'alerte. Va falloir essayer de le retenir. Hein. Ça va pas être très très. Vous savez que moi je retiens pas trop tout ce qui se passe en jeu en fait. Je préfère les phases de débat, c'est plus rigolo. Puis des fois dans les débats il y a des hauts et des bas. Voilà, c'est. Pff, je m'insupporte. Alors, le code de la petite carte. on va dans l'espèce de vault. Vault, c'est la salle du trésor. C'est la caverne aux merveilles. Oh, un corps! Bonjour le corps! Le petit Enzo est attendu à l'accueil. J'adore ce petit truc. C'est qui Enzo? C'est tellement... Ah, non, c'est... je croyais qu'il y avait un vrai Enzo. Non, il n'y a pas d'Enzo. Non, mais c'est que le nouveau son, il fait tellement, ouais... Mais c'est ça, c'est... Bref, bonsoir. Alors, je pense savoir où sont deux personnes, mais les autres, je sais pas trop. Donc, où êtes-vous? Alors, c'est où? Où est le corps? Ah bah non, je vais pas te le dire.
Later. Moi, j'étais à Electrical. Je viens d'arriver à Electrical par l'Est. Moi, je suis à Shower. Je rentre à... Alors, c'est peut-être toi que j'ai croisé Ralga qui était à Gap. Moi, je viens de Storage. Security. En Cargo Bay. Security, Cargo Bay. C'est ça, Cargo Bay. Storage. Et je venais de Gap où j'ai croisé Jack en sortant. Alors, il y a eu une alerte. À l'alerte gauche, au bout de temps, pour la désactiver, il y avait Monsieur Vert, et à droite, il y avait Ralga. Moi, entre-temps, j'ai fait l'espèce de, je sais pas, d'ascenseur vers horizontal, là, la plateforme. Ensuite, je suis monté au meeting, j'avais une réunion. Bon, il n'y a pas grand monde qui s'est manifesté, apparemment. Et quand je suis redescendu, ben, il y avait un petit rôti de Rimfire. Donc ça s'est fait là, maintenant, dans les 15 secondes, là. Alors moi j'ai vu Ralga remonter quand il y a eu l'alerte. J'ai croisé Imra et Monsieur Green, si je dis pas de bêtises, Kitchen. Oui, effectivement, avec Imra on venait de Main Hall à ce moment-là. Mm-hmm. D'accord. Donc peut-être un self report, check. Pourquoi dessus d'un self report? Je viens de te dire tout ce que je viens de faire. On sait jamais. Non mais quand même. Ou c'est peut-être Billy. Je sais pas, j'étais à security, j'étais perdu. Après, Jake, il est encore en vie, moi je note ça. Hein. Ah, quelqu'un qui vote pour moi, c'est méchant. J'ai skippé. Non, c'est moi qui ai skippé. J'ai pas voté non plus. Pas le temps de voter. C'est bon, je suis remute. Je suis remute. D'accord, Arc-en-Ciel, je... Ah bon? Attends, mais... T'es passé... Mais non. Donc c'est Monsieur Vert? Dans ce cas, ce serait Monsieur Vert. Mm-hmm. Mais du coup, je sais pas si je peux balancer l'information après ou pas. Bon, on va nettoyer le rubis, là. J'adore ce bruit. Il est trop bien. Alors, on met la casquette... On met les lunettes badass et le short sexy. Bonjour Imra. Est-ce qu'on a besoin de la lumière? Mm-hmm. Probablement que oui. Probablement que oui. Non, c'est pas là. C'est après. Ici. Comment j'ai fait pour le rater, le corps? Parce que quand même, il s'est vu, le corps, quoi. Bonjour. C'est pas par là. Attendez, c'est par où? C'est par là-bas. Faut que je retienne un peu le cheminement. Alors, deux nouveaux câbles, enfin quatre nouveaux câbles du coup. On va y arriver. Mm-hmm. C'est pas par là. Mais c'est compliqué hein, cette map, hein, en vrai. Ah, on a perdu du violet. Ah, ben, on a retrouvé le violet. Messieurs, dames, rebonjour. Alors, Ralga et Billy, je crois que vous étiez au cockpit ou à la communication, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, je sortais de cockpit et j'allais vers le nord. Monsieur Green et Jake, où étiez-vous? Alors là, actuellement, nous sommes à Medical. Voilà. Vous êtes à Medical. Attends que je regarde la map. C'est tout au sud-est. D'accord, parce que j'ai trouvé le cadavre d'Imra à Meeting Room. D'accord. Et moi, j'ai vu, quand j'étais à Engine Room, j'ai vu Monsieur Green aller vers la droite et j'ai vu Jake également aller vers la droite. Ouais. Je vote toujours, je suis toujours contre toi, Jake. Moi, je suis allé réparer la shower à coup de gros marteau. Puis ensuite, je suis allé faire un petit tour à Record, passer un coup à Lounge. Voir s'il y avait des gens dans les toilettes, checker le cargo, enfin le coffre à Cargo Bay. Dans Cargo Bay, j'ai croisé Jake d'ailleurs ce soir.
Et puis ensuite, bah, je l'ai retrouvé à médical. Et on a vu effectivement que... c'est qui était mort? C'était Imra. Imra, du coup, ouais. À médical. D'accord. Bah, là, vraiment, j'ai rarement été seul tout au long de cette phase-là. Donc ça va être compliqué de m'accuser. Parce que Ralga, je ne pense pas que c'est lui, parce que je l'ai vu plusieurs fois faire des tâches comme la douche, l'électricité, etc. On s'est beaucoup croisé avec Draken tu n'aurais pas eu le temps d'aller à Meeting Room et de revenir vu là où on s'est croisé. Mm-hmm. Tout à fait. Et j'ai fait également les lights la deuxième fois, tout en bas à gauche, et il y avait Draken et Billy, je crois. Oui, on s'est croisé avec Billy et qui est parti après avec j'ai toi. J'ai croisé des gens, mais je sais pas qui c'était. Bon, eh bien, je vais skip. Ne t'as skip, tu parles, tu m'as mis une pastille. Ça fait deux fois de suite, d'ailleurs, non? La première fois, c'était sur Draken qui avait une pastille. Ah. Et heureusement que j'ai voté, parce que sinon je mourrais. Tac, je redescends. Je suis mute ? Ouais, c'est bon, je suis mute. Oh non, le labyrinthe. Oh, j'espère que j'ai pas la tâche du labyrinthe à faire, elle est affreuse. Voilà. Il y a un truc à faire là. Tac. Ah ben on voit plus rien. Ah, faut aller. Mais quand on voit plus rien, c'est direction la communication. Ah ben voilà, ça commence à me planter, c'est bravo. Ah, comme d'Isabelle, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout en fait. D'accord. Je me souvenais plus de ce détail là. On va aller réparer ça de suite. Ah, les ondes audio, on les connaît, les ondes audio. Arrêtez de toucher ça. Non mais. Alors, ensuite, on va dans Engine. Ah oui, Engine en fait, c'est la pièce centrale. Et les câbles. Ah, on peut pas passer, on est obligé de faire le tour. D'accord, il y a une caméra là. Il n'y a plus de caméra là. Je pensais y avoir vu quelqu'un sur la caméra. Mm-hmm. Faut monter, oui, faut monter. Alors, les câbles, et on a terminé les tâches. C'était rapide. J'étais un peu plus opti sur les tâches que la semaine dernière sur cette map. Ah bon, d'accord. Soit. Rebonjour. Dites-moi, monsieur Green, pourquoi vous revenez vers le corps de Ralga quand j'arrive près de lui? Pardon. Dis pas que t'as pas vu le corps, donc je suis à Security. Je viens de fixer les lights, je pars à droite Security puisque j'étais avec Ralga. Je dis, je vais joindre Ralga. Je vois Monsieur Green qui vient vers la gauche et qui, quand me voit que j'arrive vers Security, revient vers moi et le corps de Ralga est aux caméras. Mais n'importe quoi, je suis électrical là. Ah non, non, t'es à Security, Monsieur Green, t'es à côté de moi. Non, je suis. Tu es à côté de moi, Monsieur Green. Non. Je suis électrical là. Je suis en train de faire les leviers. Ah non, tu es à Security, dans le couloir rouge à Security. Je ne suis pas fou, tu as bien une crête de punk. Je suis oui, très bien. Oui, effectivement, c'est visible pour tout le monde ici. Bah non, et... je ne mens pas. Donc je suis venu, j'ai croisé Billy à Engine Room, je crois. Je suis parti suivre Ralga pour aller faire notre tâche upload à Viewing Deck. Il y a eu les lights au même moment. Ralga m'a vu que j'allais vers les lights, donc est parti vers Security. Et au moment où je vais vers Security justement pour aller voir les caméras et rejoindre Ralga, je te croise et le cadavre de Ralga est à côté. Et tu reviens vers moi. Alors en fait, vu que t'as pas pu accuser Jake sur les deux tours précédents, donc là tu m'accuses. Donc tu tues Ralga, tu self report et tu m'accuses alors que je suis absolument pas à Security. Pourquoi j'aurais tué Ralga alors que depuis tout à l'heure avec Ralga on s'innocente? En disant qu'on a s'est croisé plusieurs fois. Parce que justement, vous vous innocentez depuis le début. Ce qui veut dire que bah. Mais je l'aurais pas tué. Je l'aurais pas tué sinon. Ah, à ce niveau-là de la partie, je pense que si. Franchement. Je pense que t'aurais pu le faire. Ah, pas du tout. Putain. Merci. Oui. Mais elle est trop dure cette map, bordel de merde.
Merci à tous. J'ai hésité entre bon, on va voter Draken juste parce que il arrête pas de m'embêter depuis tout à l'heure, ou juste parce que ouais bon quand même Monsieur Vert il a été pris en flag quasiment. Donc, Pour le coup, ce qu'a raconté Draken était parfaitement exact. Hein. Bah oui, évidemment. Évidemment que c'était exact ce qu'il a raconté. Un jour, j'essaye comme ça en imposteur la création de flag comme ça, mais à l'instant. Mais en plus, t'as de la chance parce qu'au début, je pensais que c'était Billy. Parce que quand on a revenu sur la map, je suis arrivé à Records, j'ai fait ma tâche d'upload et j'ai vu Billy. Qui était en bas à le petit truc électrical où il faut monter l'échelle. Je me suis dit, c'est bizarre, ça peut pas. Enfin, ça peut être elle parce qu'elle a pris une vente. Donc, je me suis dit, je vais la surveiller. Non, mais en plus, faire un kill à sécurité, c'est la pire idée du monde. La vente la plus proche est la kitchen. Mais ouais, c'est, t'aurais dû partir vers électrical. Ouais, mais oui, sachant qu'en plus, ouais, j'aurais tellement dû faire ça. Dommage. On notera que, évidemment, je suis mort au CAM, comme d'habitude. Mais oui, mais tu passes ta vie là-bas. C'est ça. Tu vas au CAM. Mais de toute façon, comment tu prends le check en flag sinon? En attendant, j'étais pas un poster. C'est vrai, mais t'es pas mort. Et je suis pas mort en premier. Donc votre théorie ne tient pas la route. Voilà. Non, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est ça. Bon, pour le coup, j'ai eu le temps de voir les CAM à peu près une microseconde. Ouais, parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, Ralga il va sur la droite, je vais les rejoindre. Et là, Monsieur Green qui va vers la gauche, il voit que je vais vers Security, il fait un petit demi-tour, genre non, pas par là, reviens. Alors que j'aurais dû avancer tout bêtement, genre bah oui. Non, il s'est rien passé. Ralga il était en vie au moment où j'ai regardé. Non, tu aurais pu dire, bah je l'ai pas vu, il y avait les lights. Oui, voilà, t'aurais dit, il y avait les lights. Ou le tueur aurait pu être à Electrical. Elles étaient. J'avais. Attends, putain, mais je me suis tellement embrouillé sur ce que j'ai fait. Oh là là, terrible. Elle est dure cette map. Ah, oui. On y retourne. Ah, c'est pas la plus évidente, ouais. Bah, en fait, tu peux faire des kills facilement, mais c'est très dur de t'innocenter. Oui, c'est ça. Et tu vois pas grand monde, mine de rien, sur la map. Elle est tellement grande. Ah, le fameux écran noir, le retour. Eh bien, bonne chance. Oui. Sauf à l'imposteur. Je vais changer de spawn un petit peu. Je vais changer de spawn. Oh non, mais c'est quoi toutes ces tours? Oh là là. Bah, je vais aller en bas. Hein. Écoutez, il y a tellement de points d'exclamation jaune. Ah ouais, d'accord, ouais, je comprends pourquoi il y en a plein. Le 7. Le 6, 7, 6, 5, non, ils vont être dans l'ordre, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 2, ah non, 7, 6, 5, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, alors 1, non, c'est pas lui, 2, 3, donc le 4, il est... Oh purée, le 4 il est de l'autre côté. Le 4 est de l'autre côté. Ensuite le 5. 5 c'est là. Ensuite le 6. Et enfin le 7. Ok. Il reste des choses. Le petit interrupteur de rien du tout. Bien bonsoir. 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 Alors, qui est où? Cockpit. Je suis actuellement à Viewing Deck en train de... Cockpit. Moi. Je viens de quitter Electrical. Je suis au levier dans la centrale électrique là. Exact. J'ai fait tous les leviers, donc si vous me cherchez durant toute la phase, je les ai tous fait maintes fois là. Ouais, pour le coup, bon, Mister Green, on sait qu'il est mort. Et toi, Ralga, t'étais où? Je suis à Viewing Deck, tout au sud, en train d'upload. D'accord, alors, j'ai trouvé le corps de Mister Green entre Main Hall et Shower. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que Billy, je viens de te voir à Gap Room, il y a moins de 3 secondes. Donc je vois pas comment tu peux être à cockpit. Je suis jamais allé là-bas. Jamais.
Bah, sauf que je viens de te voir. À moins que quelqu'un y était à l'instant, à Gaproom. Nope. D'accord. Mais... comment t'as fait pour l'avoir à Gaproom si t'es à Main Hall? Eh ben, en fait, j'étais à Meeting Room, je suis passé par la plateforme à Gaproom, et pour moi, Billy était descendu là où il y avait... Ah mince, excusez-moi, je regarde pas bien, je regarde pas correctement la map. Je suis passé par là, oui, effectivement. Donc je suis passé par Brig, et après je suis allé... Je suis passé par l'Engine Room, et je me suis retrouvé au cockpit parce que je suis perdu. Donc en 10 secondes de temps, le temps que je descende de Gaproom jusqu'à Main Hall, toi t'arrivais à aller jusqu'à cockpit. Mm-hmm. Ça se fait, hein. D'accord. Pour le coup, ça se fait, ouais. Par contre, Monsieur Vert, il a été tué très très récemment, parce qu'il y a quelques secondes, il était encore dans l'électricol. Ouais. C'est tout frais. Ah, il y a une pastille sur Imra. Pourquoi il y a une pastille sur Imra, elle est gratuite? Imra, il a rien dit, il se prend une pastille. Ok. Je reviens là. Et je vais au cockpit, comme ça il y aura une tâche qui sera faite de l'autre côté. Tac. Ah, c'est dur ce truc. Voilà. Il a pas la direction assistée, le Zeppelin. Billy est là. Billy retourne au cockpit, du coup. Je vais monter par là. Qui est pas mute sur le Discord là, qui joue avec le clavier. Ah, c'est Billy. Alors 21 396. Salut Draken. Ok, merci Draken. Alors ben là, il est là pour me trouver. Sérieusement quoi. Là pour me trouver. Bon, bah, je vais essayer de finir les tâches et les câbles très rapidement. Cette tâche de la douche est un peu nulle, parce qu'en gros, faut marteler sans réfléchir. Alors qu'en vrai, y a une tactique pour la faire d'un coup, quoi. C'est chiant cette tâche. Eh ben, difficile. Allez, des câbles. Oh purée, il faut retourner là-haut. Attendez, je suis perdu là. Encore à gauche. À gauche avec l'interrupteur. Le petit truc là. Celui-là, faut attendre. Top, raté. Top, raté. Top. 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 Ok. Ah, on m'a trouvé. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Alors, je sais qui c'est. je viens de trouver le corps, du coup, à Meeting Room. Et j'ai vu Draken passer par une vente. Ah, c'est une accusation. Les accusations sont sérieuses. Très fort, je suis un shower. J'étais où à... Où m'as-tu vent? Je t'ai vu... Où m'as-tu vent? Où m'as-tu vent? Parce que j'étais à... Alors attends, actuellement, je suis un chauveur. Parce que je t'ai vu... Ça fait un moment par contre que je t'ai vu, hein. Par contre, t'étais à chauveur, mais je t'ai pas croisé chauveur alors que je suis en train de ramasser les serviettes. Bah si, je viens de te voir avec Ralga. Je suis également un chauveur et je me dirigeais vers le code, donc je n'ai pas fait gaffe qui c'est qui est sur le chemin. Je suis pas sûr de la vent, mais il me semble que c'est... Non, je veux pas dire une bêtise. Mais si, vas-y, accuse. Ils m'entendent pas, mais vas-y, accuse. Mais en tout cas, j'ai vu un bonhomme vert passer dans une vent, et je... voilà. C'était Cégétel. Bah, moi je dis que c'est faux. J'ai envie de dire, truc très simple. On vire Draken, si on n'a pas gagné, on vire Billy. Et l'affaire, elle est réglée. Envoyez, c'est pesé. Allez, au revoir Draken. Bon, c'est moi, hein, je le dis tout de suite. Bah, on en a j'ai pas encore la preuve. Mais j'ai mis clic de toute façon.
Bon. Ah, le fait qu'ils disent qu'on était là alors qu'en vrai les lumières elles étaient encore. Bah oui, je suis con, je me suis cramé tout seul. En fait, Imra, je t'ai vu parce qu'on s'est superposé un moment. Non, mais il n'y avait pas de lumière en fait. Donc bah oui, j'ai plus l'habitude. Mais en fait, j'ai mis clic quand j'ai voulu faire sabotage quand j'ai croisé Billy et je suis allé dans la vente. Et du coup, j'ai fait ma seule ma vue. Je suis ressorti, j'ai voulu la rechercher, mais je l'ai pas trouvé. Et t'as pas pu, ouais. Je vais aller voir, elle était partie à la living room où il y avait le cadavre de Jack, et je l'ai pas vu. Je dis, c'est bon, elle a pas dû me voir. Et question, la personne qui a rejoint un Discord du nom de Romain et qui est dans l'auberge, est-ce une personne pour rejoindre Among Us c'est quelqu'un du live. De chez toi, d'accord, allez, je le move. Yep. Il devrait rejoindre ça sans moi sous peu. Bah, il était dans l'auberge, du coup, c'est pour ça. Bonsoir Romain. Bonsoir. On va augmenter un peu ton son. Avant de t'accueillir correctement, Romain, juste, je reviens sur la partie d'avant. Pourquoi Imra a pris une passe gratuite dès le premier tour, alors qu'il a rien dit, personne n'a accusé ou quoi que ce soit. Il a shooté pour le lobby. Alors, effectivement, c'est ma pastille. Il a juste pas parlé de tout le truc. Je me suis dit, bon, allez, tiens, gratuit. Bah si, j'ai parlé pendant que Jack disait qu'il était en train de faire les leviers électricaux et j'ai confirmé les dires en disant que moi j'y étais aussi du coup. En fait, quand je me suis dit que personne allait mettre une pastille sur Imra, je me suis dit je vais mettre une pastille sur Imra, au moins ça mettra un peu de piment. Ça va mettre de l'ambiance. Ah, j'aurais dû voter pour Imra. Un peu de piment. Voilà. Alors évidemment, si tout le monde fait ça, il se passe des trucs horribles. Ouais. cher nouveau joueur du nom de Romain, je t'ai mis en MP le code de la partie. Il est déjà là. Ah, il m'a vraiment envoyé le code. D'accord, autant pour moi. Bonjour, Nori. Ça ira. Nori. C'est pas le même sur le Discord, mais j'ai pas pu du coup. Bah. Oh, c'est pas grave ça. Donc on sait Romain Nori. Ok. T'aurais pu t'appeler Chuck Nori. Bon, bref, je me. C'est la fatigue. C'est limite quand même là. C'est la fatigue. La fatigue. Je n'ai pas vu de blagounette sur le chat. On m'avait pas prévu pour ça. Incroyable. Trop fort. On sait jamais à quoi s'attendre ici. Allez, on est reparti. Pensez à vous mute Discord le temps dès la partie, push to talk, etc. Le fameux écran noir, on va lui donner un petit surnom, à force. Ah, c'est bon. Donc nous sommes 8, nous avons un joueur en plus, et on va commencer par là, tiens. Ah bah parfait. On prend, et on va faire utiliser un bug. Voilà, tâche terminée. C'est pas très legit, mais écoutez, hein. Ils avaient qu'à des bugs. Cette tâche-là est tellement longue, des dossiers dans la bibliothèque, là, que forcément, mieux vaut en profiter. Ah, pendant ce temps, Imra ramasse des serviettes. C'est pas là, si c'est là. Il est temps de prendre la douche. Prenez des douches. C'est mieux que des bains. C'est plus écolo. Alors, faut pas y rester 30 ans sous la douche. C'est quand même plus écolo. Baissez un peu la température de vos douches aussi au lieu de la prendre bien brûlante et vous verrez que ce sera encore plus, enfin vous verrez, ce sera encore plus écolo et vous ferez des économies sur votre facture d'électricité. Ce n'est pas des blagues. Allez, on repart. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette tâche avec la cassette là? 15:55. Raté. C'était compliqué ça. Ensuite, mais il y a le téléphone là. C'est le coup de fil à un ami. Alors elle est où la 5G? Où sont les nanoparticules? Raté. J'ai pas eu le temps. Bonsoir. 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 Vous êtes où? J'essaye de passer un coup de fil à un ami et j'ai pas de réseau, donc je tends le bras là, tu vois, mais je commence à avoir une crampe, donc si on pouvait se dépêcher.
Moi j'étais au niveau des Engine Room. Armory, moi. Moi je suis Main Hall. Moi je suis dans la salle où il y a des documents. Je connais pas la map, je suis désolé. La bibliothèque, t'inquiète. Si jamais carte, dans le canal Imarty Vassoun, t'as la map épinglée. Voilà. Billy, Rim, vous êtes où? J'ai dit Armory, pardon. Rim Moi je suis Main Hall, j'ai déjà dit. Raken J'étais à Gap Room, je l'ai dit. Ok. J'aurai le cadavre de Ralga à l'entrée de Viewing Deck. Viewing Deck. Alors je peux dorénavant innocenter totalement Imra parce que à l'époque du kill il était tout à l'est. À Cargo Bay, donc c'est impossible que ce soit Imra. Ça me paraît très improbable que ce soit Jake. Alors, le kill que j'ai croisé très... sur les cams, même si le meurtre était déjà fait. Cependant, c'est pas très récent le meurtre, puisque enfin je suis passé il y a un petit moment là-bas, on s'est croisé avec Ralga, je sortais de Viewing Deck où j'ai été faire l'upload, et lui il allait par là. Et entre temps j'ai été faire deux quêtes à Electric Hall, et je suis remonté à Main Hall faire ma quête. Et je ne sais plus qui, il y a Jake qui est passé par là, c'est sûr. Dans Electric Hall à ce moment, dans les mêmes moments, et un autre, mais je ne sais plus qui. Ça fait déjà un petit moment qu'il est mort. C'est moi, Bar Electric Hall. Pardon, je cherche sur la map. Il me semblait bien. Donc celui qui dit c'est moi, c'est Norris. Oui, c'est tout à fait. Ok. Allez, on repart. Je me mets à l'opposé ici, il me semblait bien que j'avais des tâches, et au passage on fera le téléphone, mais de l'autre côté. Parce que le téléphone, on peut choisir le côté. Allez, on repart, on tend le bras, la 5G. Où est la 5G? Qui c'est qui est pas mute? Ok. On repart, on va... On va dans le coffre au trésor là. Je sais pas, le musée, on va appeler ça le musée, tu vois. C'est pas par là. C'est où? C'est là-haut. Oh là, le petit lag. Ah, joyau. Ça crache? Ah non. Ouais, j'ai mis tellement mal ce bruit. Déjà? J'ai fait une tâche, enfin deux. Billy, t'as la parole. Alors, où est-ce que j'ai trouvé le corps? Je l'ai trouvé. Ne le dis pas forcément, ça peut être une stratégie okay. De pas le dire. Pose des questions. Qui est où? Armory. Je suis à Meeting Room avec Nori. Oui, c'est ça. Je suis dans la salle où il y a le gros joyau rouge. Ok. Moi je suis à Viewing Deck. Vous êtes ma foi bien loin du corps, donc ça doit pas être très récent. Il est où ce corps? Il est... Attends, il est où Draken? J'ai dit j'étais à Armory. Il est en bas de la salle avec les documents. Les douches? Oui. Il me semble avoir vu Nori venir de Records quand moi je suis arrivé à oui. Meeting Room. J'étais parti, j'ai pas par Records, je suis parti à Lounge faire les fils en haut à droite de la salle au-dessus du billard. J'ai terminé en continuant vers Cargo Bay et après j'ai fait demi-tour parce que toutes mes quêtes sont en haut à gauche quasiment. Ok. Je suis un peu paumé dans cette partie, moi. Moi je suis carrément perdu. C'est vrai qu'elle est compliquée. On s'est croisé peu de temps avant à Armory, comment ça t'as fait pour être directement à Volt sur la jambe rouge? Il y a peu de temps avant, tu rigoles, ça faisait déjà 20-30 secondes. Ouais. Bon bah on skip. Hein. Hmm.
Monsieur Vert qui prend une pastille. Et moi, sur Nori, je mets une pastille. Je sais pas pourquoi. Ça me paraît étrange. Brick, c'est où Brick déjà? Je suis où? Ah bah à côté de là où on ressort, d'accord. Avant d'aller en haut, je vais passer par le long couloir. Faire ce qu'il y a à faire. Je crois que c'est... Voilà, il me semblait bien que c'était des câbles ou quelque chose comme ça. Mais par contre, là, juste avant, j'ai pas croisé grand monde à part Imra, quoi. Mais vraiment pas. C'est étonnant. Étonnant. Et des câbles. 1, 2, 3, 4. Le petit code 75668. Ok, j'ai fini mes tâches. Donc on va vite descendre. Il faut faire le tour. Alors, il y a Billy avec avec Monsieur Vert. Il y a Billy avec Monsieur Vert. Mais qui est passé par là du coup pour résoudre ici? Draken. C'est Draken? C'est Draken qui a débloqué ici. C'est Draken qui a débloqué. On est. Oui. Je vais peut-être garder ma pastille sur Nori. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Ah, ça y est, je suis perdu dans ce... Ok. Encore? Mais on n'arrive pas à se croiser. Alors, attendez. On est 6, on dit. Les lumières. Je suis à côté des lumières, je crois. Je suis à côté des lumières. C'est pas là. C'est ici. Ok. Que la lumière soit. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Non. J'espère qu'ils ont fait quelque chose pour ce coffre parce que c'est hyper dur. Attendez, ils ont changé déjà les chiffres? Non. 4, 7. Non, ils ont peut-être pas changé les chiffres, je sais plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les toilettes? Ah. Je viens de trouver le cadavre d'Imra à Main Hall. Et la dernière personne avec qui je l'ai vu, c'était Draken juste avant l'alerte light. Tout à fait. J'ai quitté Imra à Main Hall. Il est parti faire la tâche où il y a les photos là. Et moi je suis parti à Cargo Bay pour aller faire le coffre. Et je viens de croiser Jake au coffre. Ouais. C'est rapide de faire Shower Cargo Bay si vite sans prendre la vent. Je l'ai vu passer Record. Ok, d'accord. J'ai fait Shower, Record, Lounge, puisque j'ai même ouvert la porte entre Record et Lounge qui était fermée. Elle s'est fermée sous mon nez, pour info. Et je l'ai ouvert et je suis parti à Cargo Bay. Par contre, est-ce qu'il y avait du monde entre Medical et Cargo Bay? Sur ce chemin-là, quand j'ai fait bon. Medical Cargo Bay, j'ai croisé personne, moi. J'ai retrouvé du monde une fois arrivé à Cargo Bay. C'est là, genre, je suis parti voir les caméras, et je suis repassé par Electrical, je repartais vers Cargo Bay, parce que justement, j'ai vu Jack et Draken, et je me suis dit, bon, je vais aller vérifier quand même, on sait jamais. Et quand je suis passé, en fait, les portes de Medical, je crois, se sont fermées, ou de Electrical, je sais plus quelle salle exactement, mais il y a une des deux salles. Qui s'est fermé. Juste après. Alors moi, ce qui m'intrigue, en fait, il y avait quelqu'un qui était là-bas. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que je descends à Kitchen et il y a l'alerte light et les portes de Kitchen sont fermées. J'arrive à Engine Room et la porte de Engine Room entre Engine Room et Main Hall est fermée. Oui. Bah, ça ressemble vachement à Draken qui tente de cacher un corps. Ouais, pour ma part, j'ai fini toutes mes tâches là, depuis un moment. Pareil. Bah, moi, il m'en reste 2-3. Lui, il me reste le coffre. Qui est chiant à faire. Ce qui est étrange. Les fantômes doivent faire les tâches. Je disais quoi? Oui. Sur cette map, je
Je sais plus ce que je voulais dire. Attendez, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le coffre. Vous, Draken, tu es une mauvaise personne. L'excuse du coffre, c'est compliqué, quoi. Qui a ? Ah, pardon, putain, j'ai appuyé sur le push to talk par réflexe. Oui, tout à fait, tu viens d'appuyer sur le push to talk. Bon, désolé, c'est du coup, je viens de pourrir la game. Bah, c'est pas grave, on va éliminer quelqu'un d'autre. Non, non. Bon, bah, c'est Draken. Autant qu'à faire, autant terminer la partie, partir sur autre chose. Après tout, parce que là du coup c'est se méfier de Draken. Vite, oh non. Non, ça c'est... Oh non. Ah, c'est bon, il reste du temps. Allez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Redescends. 70, 309. Allez. 70, 309. Allez. Allez. Oh merci, qui c'est qui... Merci. Alors qui est où? Enfin, Jake, je t'ai vu. Mais... Je suis à côté de Jake. Ouais, il voulait me tuer. Non, pas du tout. Si, si, il voulait me tuer. Faire le code parce que vous mettez 10 ans à faire le code là. Vous mettiez 10 ans à faire le code, c'est toi qui as déclenché l'alarme, on t'a vu, t'as déclenché l'alarme des secrets. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Pas du tout. J'étais à droite, je vais à droite, je dis c'est bon, je fais le code, il y a personne qui fait le code à gauche. Personne qui fait le code à gauche, tu rigoles, j'ai tapé 6 ou 7 fois le code à gauche. Ah bah, à ton avis, pourquoi j'ai fait tout le tour pour venir à gauche pour Tu sais que le temps que tu fasses tout le tour, le code il se reset, on faut vraiment le faire à deux ce truc là. J'ai dû faire le tour quand même. Vous votez Billy. Je réfléchis. Ok. Mais non! Le truc improbable. Du coup, on est en train de faire un truel. C'est l'heure du truel. Ah mais c'est de l'autre côté là, le bouton. Non, c'est pas cool ça. Purée, ça dégage Draken. Au secours, non. Mais barre-toi, purée. Non! Purée! Ouais, je suis caché. Non, putain, mais casse ton pute. Bon, Draken, c'est pas bien de jouer avec la nourriture là! Jake essaie de te cacher, je sais pas j'ai comment. Pas du tout. J'ai pas du tout compris la task à ventilation. Oh putain, Jake, tu viens de me faire fourrir. La ventilation, laquelle? Ouais, il y a un truc où il faut appuyer sur reveal code, et après je comprends absolument pas ce qu'il faut faire. Alors, en fait, la tâche est en deux parties. Tu as la partie à... Si tu regardes la carte, tu as deux points d'exclamation dans la même pièce. Mm-hmm. Tu as le point à droite où tu mets un code avec des couleurs et des symboles, mm-hmm. et tu dois mettre ce code sur l'autre partie. Mais tu es obligé de faire le tour complet parce que tu peux pas traverser la salle. Ok. C'est chiant. Ça va, Jake? Je te déteste. Du coup, j'ai une question. Oui. C'est qui a voté contre Billy au tour précédent? C'est moi. Mais parce alors que c'était soit moi, soit Jake. Donc, du coup, j'ai fait exprès de voter pour elle, comme ça fait un draw.
Mais j'ai voté contre Jake. Moi j'ai voté Draken. Billy a voté contre Jake, Jake a voté contre moi et moi j'ai voté contre Billy. Pourquoi t'as pas voté contre Jake? C'est victoire automatique pour toi de voter contre Jake. J'aime le challenge. Et je vais me taper, je vais me taper un fou rire de 5 secondes en train de poursuivre Jake. Et en faire désolé, j'ai devant lui. NP. Alors, je suis désolé pour la voix du fantôme, je voulais juste embêter Draken. Et, oui. par réflexe en parlant, j'ai appuyé sur le push to talk. Oui, méchant Ralga, j'ai failli me faire cramer. J'avais raison. Mais le pire, c'est que t'as Jake qui fait bon, c'est pas grave, on votera quelqu'un d'autre. C'est ça. Ouais. Ouais, Jake, tu vas me faire avoir un fou rire. Ah oh là là. Mais je pouvais absolument pas débloquer les portes parce que je savais très Mais bien ce qu'il allait se passer. Mais bah, si, oui, mais c'est un coup de merde de carte. Mais le truc, c'est que normalement, il a le cooldown de l'alerte qui revient avant le cooldown de la. Ah ouais. De la porte. En fait, je vois Jake qui va la... sur. Ah oui, ouais. Mais Jake qui va à gauche, je ferme la porte. Il sait que c'est moi, il va en haut, je ferme la porte. Et la porte était déjà fermée? Toutes les portes sont fermées dans une pièce? Non, en fait, j'ai fermé Main Hall, Engine et Brig. Du coup, Jake, on était bloqué à Engine Room en fait. C'est ça. Et du coup, Jake, il veut aller vers Brig, je ferme la porte. Il veut aller vers Armory, je ferme la porte. Il se dit, bon, c'est bon, je vais mourir, je vais à droite. Hop, pile au moment où il arrive, je ferme la porte. Et puis après, il va se cacher derrière le moteur. Bah oui, moi j'avais plus l'éclairage, du coup je me suis dit, bon, je suis tranquille, mais non, mais en fait, non, toi tu vois mieux que les autres, même s'il n'y a pas les lumières. Bah oui, je vois. Bon, c'est bon, j'ai plus envie d'être imposteur, j'ai fait ma soirée. On verra bien. Bassin. Votez Draken. Draken, si tu me tues en premier, Jack, y a pas de soucis. Allez, c'est bon, je suis remute. Si Draken il est mort en premier, c'est que c'est Jack l'imposteur. On note. Non, mais faut pas tuer Draken du coup. Ok. Allez, c'est parti. Mettre par là. Ah oui, pas le temps. Il y en a qui ont pas le temps. Excusez-moi. C'est trop de choses là. J'ai spawn à la bibliothèque. Vous voyez à peu près le secrétariat, tout ça là. Je suis allé direction les WC pour faire la tâche. Il y a eu l'alerte. Le temps que je revienne là, Rimfire était mort. Rimfire n'a pas bougé. Rimfire n'a pas commencé la partie. Alors je suis à Electrical. Et si je dis pas de bêtises, j'étais avec Imra. J'étais à je viens juste d'arriver à Electrical. Oui, c'est toi alors, Billy. À l'armurerie, moi, j'étais pas. Bon, bah, c'est Billy alors. Mais j'ai pas très bien vu que ça, au moment où on s'est croisé. Pardon ? T'es où, Imra ? À l'armurerie. T'es sûr ? T'es où alors ? J'étais dès le début, hein. Imra, il a certainement commencé Engine Room. Oui, j'ai commencé Engine Room, mais je suis allé directement à l'armurerie. D'ailleurs, j'ai croisé du monde là-bas. Oui, bah, tu m'as croisé. Ah bon, il y était, je l'ai pas vu du tout, moi. Et j'y suis, donc c'est pour ça. Alors, Armory, en fait, t'as les coins où tu vas ranger les armes qui sont cachées, donc. Bah, j'étais dedans et je venais de ressortir de là, en fait. Et monsieur Ralga ? Eh bien, j'ai pop à Main Hall, j'ai fait le sac poubelle dans la pièce où il y a la vente. Et je me dirigeais vers Gaproom pour l'alerte. Et à Main Hall, j'ai spawn avec Billy, que j'ai recroisé en sortant de la salle. En question, enfin de Main Hall, enfin quand je suis revenu sur Main Hall, j'ai recroisé Billy et puis c'est tout. Voilà. J'étais en train de chercher où j'étais sur la carte. Je suppose que du coup, si on s'en tient à ta version, ensuite de Main Hall, tu es descendu vers Electrical. Voilà, c'est ça. J'ai juste eu le temps de faire ça. Pourquoi je suis mort le premier encore? Ah ouais, d'accord. Tout le monde. Alors, ça peut pas être Imra, hein. Je dis ça, ça peut pas être lui. C'est pas si lent, il y a jamais autant de gommettes que sur un cahier de maternelle, quoi. J'ai totalement fait une clic quand j'ai report le corps, en fait. Mais complètement. Complètement fait une clic. C'est pas par là.
On fait la tâche de ça, c'est compliqué, oh là là. C'est orange qu'on vient d'avoir, orange. Lily est un join. Allez. On pourrait faire du burger. J'aurais dû mettre autre chose que cette alarme, je pense. À la vie. Et qui c'est qui est ici? C'est Ralga et Nori et Monsieur Vert. Ok. Non, c'est pas par là, c'est par là. Je vais faire genre ça. Très bien ça. Oh là 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 là, le coffre est difficile. Oh là là, je comprends rien au coffre. Coffre, 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 coffre. Ah, ils ont le réflexe de venir quand même. C'était pas forcément le cas la semaine dernière. Ils ont le réflexe de venir. Ils ont le réflexe de venir. En fait. Ok. Il n'y avait pas une... Non, si, ça ramène ici. Bon, on va faire demi-tour. Bonjour. Il y a tout le monde ? Une réunion ou quoi ? Bon, je retourne en bas. Ah, c'est pas par là, purée. Me trompe. Il y a trop de monde. Ah, c'est pas par là non plus. Ah, ça y est. Oh, cette zone, elle est affreuse. Mais... Attendez, c'est par où? C'est par là. Cette zone est affreuse. Ils vont avancer sur les quais de toute façon. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Oh là là, le coffre. Oh là là. Ouh, le coffre. Ouh, le coffre, coffre, coffre. Ah! C'est compliqué. Est-ce qu'on peut se faire enfermer dans les WC? Faudra que j'essaye. Oui. Use. 118 0 6 6. Ouais, j'ai bien fait de pas le tuer. Difficile. Qu'est-ce qui se passe? Matt Gaming 2712 a suivi. Merci Matt Gaming 2712, d'accord. Y a-t-il une place? Oui, Matt Gaming, il reste encore de la place, tout à fait. Oui, il y a de la place, il y a de la place. Tu rejoins le Discord, tu fais un point d'exclamation Discord dans le chat, tu rejoins le Discord, tu te mets en vocal dans un des canaux et on te switch. Il n'y a aucun problème. Ça va nous mettre un peu. C'est quoi le Discord? Point d'exclamation Discord. Le dos droit. Oui, bon, oui, je me redresse, en effet. En effet. Ouais, elle est trop dure la partie là.
Ils ont tous fini les tâches. Ah, ça y est, ça buzz. Bon, alors, faudrait que le tueur tue quelqu'un, là, quand même, au bout d'un moment. On s'ennuie. Moi, j'aimerais juste... C'est vrai qu'en effet... Je pensais que tout le monde était mort, mais en fait, non. J'aimerais juste qu'on arrête de me... Il y a personne qui meurt. Je pensais que c'était Billy, moi, qui était mort, parce que je l'ai pas vu depuis tout à l'heure. J'aimerais juste qu'on arrête de me déranger pendant que j'essaye de... On est quasiment tout le temps groupés. J'aimerais juste qu'on arrête de me déranger pendant que j'essaye de déverrouiller ou verrouiller, je sais pas, ce fichu coffre jaune. À chaque fois que j'essaye, il y a une mine d'alerte là qui vient. Et du coup, là, le coffre, il me saoule. Attends, Jake. Comment tu peux aller déverrouiller le coffre alors que t'es parti à gauche et t'étais à security? Mais là maintenant, j'ai abandonné le coffre. Ouais. Faut quand même que tu le fasses. Je l'ai vu sur le coffre tout à l'heure. Ah ok, bon, ok, ouais, si tu dis que tu l'as vu, parce que comme tout le monde était, on était tous à security et que Jake est parti sur la gauche. Je l'ai vu également sur Cargo Bay à un moment et je me suis dit que s'il ne râlait pas sur le coffre, c'est que c'était une fake task. De suite. Réussi le coffre. C'est qui? Moi j'ai fini mes tâches, si jamais. Pareil. Ah, j'ai plus que les photos. Moi. Il me reste un download et un upload. Moi c'est en cours parce que je suis encore perdu. Je suis désolé de mettre autant de temps. Ah, j'ai un GPS, hein. Et Nori. Moi il me reste encore quelques-unes. Surtout, j'en ai une à Meeting Room qui a pop tout à l'heure. Et j'en ai d'autres sur le côté gauche, au gauche de la map. Et voilà. Je pense que Nori est innocent. Il était à l'ouest au moment du premier kill. Il a pas eu le temps d'aller à l'électricole. De toute façon, au premier kill, moi j'étais avec toi. On était en bas à Kichuan, donc impossible que je puisse y être. De toute façon, on termine nos tâches. Oui, je pense que. Dépend. J'ai quelques offres, non. Là, le tueur va être. Je vais essayer. Je vais m'y remettre, mais je promets rien. Allons tous au coffre. Pour l'encourager. prenez les petits pompons alors. Hein. Je suis dans la merde. En plus, c'est même pas une tâche visuelle, donc qu'est-ce que je fasse, quoi. Donc. Ah. Je vais y arriver. Ok. Ils vont tous revenir là. Qu'est-ce que je fasse là, de toute façon, donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À part faire semblant. Tac, allez, mangez ça. Tu peux pas tuer Monsieur Vert au passage là. Tac. Allez, je me remets là. Je reste au coffre et genre je vois rien. Hop là, genre je vois rien. On va voir si ça fonctionne. Je garantis rien, mais on va voir. Je pense pas que ça passe en vrai. Je pense vraiment pas que ça passe. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Je pourrais re-kill. Imra. Ok. Oh,
Jack, le kill sur la cam, c'est quand même pas très très gentil. Hein. Oui, Alga, oui, oui. De quoi vous parlez, là? À toi, Jack, vas-y, Alga. Alors, nous étions deux à Security, Draken et moi, en train de spam les cams, et nous avons assisté à un kill de Jack sur Mr. Green, tout en haut de Cargo Bay, à la lisière de la caméra. C'était de tout. Tu rigoles. Ah non, à Cargo Bay, excusez-moi, je suis désolé, mais j'ai pas quasiment pas bougé du coffre. Et après, j'ai voulu essayer de réparer l'alerte. Il y a deux témoins. Mais attendez, vous fichez pas de moi. J'ai vraiment pas bougé, j'ai juste fait ces allers-retours-là. Bah oui, justement, mais le cadavre de Mr. Green est à Cargo Bay, puisque... Bah ouais, mais moi, je l'ai pas vu, hein. La caméra. On voit son petit os qui dépasse. Je l'ai pas vu, je suis désolé, mais non. Il y a un truc vraiment bizarre, c'est que Jack, il y a un moment où t'as dit quand même que tout à l'heure, quand tu disais que le coffre t'arrivais pas à le faire, t'as quand même eu le temps, un moment, pendant bien facile, 30-40 secondes de pouvoir le faire, quoi. Ah non, mais le coffre, j'y arrive pas, je peux y passer 30 minutes dessus facile. Mourir d'ennui et que c'était ça sa strat. En plus, t'as tué Rim tout de suite en premier tour. Alors pour Rim, à la base, c'est un fail, mais c'est pas grave. Du coup, c'est de suite auto-report, comme ça le corps disparaît. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui l'avais report. Bah oui. Mais du coup, avec Draken, on a spam les cams, on t'a vu faire le... et on a couru autant qu'on pouvait vers Meeting Room parce que c'était plus proche, on pensait. Et avec les portes et tout. Sécurité, non, c'est plus rapide d'aller à Cargo Bay. Ouais, en fait, je pense qu'on a réfléchi à la même chose. On dit, on va rester ensemble en se disant, au moins, il y en a à deux, c'est safe, quoi. J'ai galéré à la porte entre Kitchen et Armory. Après, oui. On arrive à Briggs, pareil, re la porte qui bloque. Mais les portes, elles étaient tout le temps fermées, hein, c'était infernal. J'ai passé le temps avec la carte électronique en main. D'ailleurs, en faisant semblant de faire le coffre, il attend de fermer les portes. Hein. De toute façon, il faut arrêter de fermer ses portes parce que moi, je vais finir par plus pouvoir jouer. Hein. Je mets 10 minutes par porte. Ça fait pour. Ah ouais, non. C'est fait pour. Ils ont les cartes des portes, mais elles sont ultra. Elles demandent une grosse précision, c'est incroyable. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Nous a rejoint sur le canal et va nous rejoindre en partie Matt Gaming qui a rejoint le stream tout à l'heure. Donc Matt Gaming, bonsoir. Bienvenue. On se démute. Bienvenue. Bonsoir. Si, je suis même pas sûr que la personne a réagi qu'il a changé de canal. Ça se trouve, il est passé à FK. C'est possible. Pendant l'attente. Par contre, clairement, Jake, l'objectif c'est tu veux pas espérer gagner. En faisant cracher le vaisseau, mais... il faut que si quasiment tout le monde ait envie. Non, mais vous étiez à plusieurs moments, vous étiez trois voire quatre tous ensemble. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Vous m'entendez pas? C'était compliqué. Oui, bonsoir, Matt. Hello. Hello, Sam. Du coup, le code. Le code de la partie. XP. XP, pardon. XKPYCF. XKP. Non, mais attends, vous étiez quoi, serveur? Europe, pardon. Europe. Ok, c'est quoi le code? X, K, P, Y. P, Y. P comme Patrick. Y, okay. C, F, comme tout feu, tout flamme. Ouais, et. C'est tout. Il y a 6 lettres. X. X. Ouais. K. Ouais. P. Ouais. Y. Ouais. C. Ok, ouais. F. Le compte est bon. Incroyable. C'est bon, je crois. Alors, vu que tu viens d'arriver, deux, trois choses à savoir. On est un peu sur de la bienveillance, même s'il y a de la rigolade, donc... On essaie de pas trop troll et surtout pas d'insultes et surtout dans les phases de débat on argumente et on vote pas gratuitement quoi. Ok. Voilà. En vrai troll ça va, insultes et tout ouais bof hein. Non mais c'est juste pour préciser, des fois ça peut choquer de qu'on mette ça en place donc voilà, ouais. Je le précise ouais. Au cas où. Moi je m'arrête là. Ah d'accord. D'accord. Mais attends tu t'arrêtes là? Mais je croyais qu'on faisait la grasse mat demain matin. Non, moi je vais lire là. Je vais lire le bouquin sur monsieur. Oui. Oh, je sais plus son nom, bref, j'ai zappé. Le sociologue. Non. Le bouquin que Blandine m'a prêté.
Ah, Jules Léotard, le trapéziste voilà. circassien qui a inventé le trapèze grand volant et qui était toulousain du début du 19e siècle. Mais oui, c'est clair. Je vais lire ça, du coup. Ouais, bonne lecture. Pas trop tard. Merci d'être passé. Bonne soirée, bisous, bisous. Bonne soirée, Billy, repose-toi bien et moi je te dis à demain, du coup. À demain. Allez, nous repartons, du coup. 1, 2, 3, c'est parti. Ok, bonne game. Bonne chance. Pensez à vous, mis Discord. Crevez tous. Le fameux écran noir. On va commencer par là, tiens. Je suis où? Ah ouais, d'accord. Bon, ben on va commencer tout là-haut. Allez, la carte avec le code 04-805. Voilà. Tac. Ensuite, il faut aller de l'autre côté. C'est de la communication. Donc on va avoir droit au téléphone, je pense, à un moment donné. Ah oui, ça a lagué le truc là. Allez, on bouge. Pour l'instant, j'ai pas croisé grand monde à part. Ah, bah, en parlant du. Ok, Rimfire. Ça lag? Ah non, c'est juste moi qui. Oh, ce truc. Ah voilà, je l'ai fait plus facilement que tout à l'heure. Ok. D'accord. Oh non, on voit plus rien. On voit plus rien du tout. Bah oui, forcément, on voit plus rien. On voit plus rien du tout, jamais, quoi. Bon, alors. Bah, ça tombe bien, il y avait une tâche là. Et les coms sont revenus. Mon personnage, il s'est barré. Okay, bah, il a eu le kill. Ah ouais! J'ai trouvé le cadavre de Draken sur le coffre. J'y arrive pas! Bah, c'est toi le tueur alors. En fait, c'est la première fois que je fais un map. Ah, d'accord, ok. Pas de soucis. Il est où le coffre? Le coffre, il est dans le cargo bay. Tout à droite. Ah, à gauche, tout. Attends, droite, c'est quelque communication droite. Si jamais. Communication. Il y a genre 15 secondes. Vraiment. Si tu viens de croiser communication, moi je viens de croiser. C'est des mecs à communication. Si, si. Non. Je te raconte des conneries. Engine room. Pardon. Sur la map, c'est juste. Je me suis planté entre les deux. Non. Pas plus d'infos pour le coup, moi j'étais à Shower pendant un certain temps. J'ai cru voir Mr. Green passer à Shower également et faire les deux. C'est exactement moi que t'as croisé. Moi j'ai croisé Imra Electrical tout à l'heure. Il y a genre une bonne... les records et il y a eu les alertes com à ce moment-là, donc j'ai pas pu enchaîner parce que je savais pas quel étagère fallait que je fasse. C'est moi qui les ai remises, les com. Après, pour le coup, t'aurais eu le temps d'aller à Cargo Bay faire un kill, alors que moi, j'ai eu le temps de traverser Gap Room avec la petite plateforme et j'étais à Engine Room, là, en fait. Donc, potentiellement, t'aurais pu faire un kill. Ouais, j'aurais pu faire un kill et self-report, mais je suis pas trop fan du self-report. J'ai vu, je crois que c'est Mr. Green et Jake qui ont monté Shower à un moment. Alors, ouais, je t'ai croisé Rim, par contre, on a pas... Enfin, moi, j'ai pas vu Jake à ce moment-là. J'ai croisé Rim, pas longtemps. Toi. Ah, d'accord. Ce qu'on skip malheureusement. On va revenir par là. Ouais, si on va aller faire les douves de l'autre côté. Pas celle-là, c'est ici. On va donner des coups de marteau. Il
D'accord, j'ai compris le principe. Sans spam le marteau, j'ai compris le principe. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Attendez. Il y a de la lumière par là. Ok, et de toute manière, j'ai une tâche ici. Bon, bah, comme ça, au moins, c'est fait. Oui. Allez, le fusible. Un gaproum, c'est ça, d'accord. Gaproum, c'est l'ascenseur. D'accord. Pourquoi il y a un truc de... Comment ça s'appelle? Un shuriken? D'accord. Je ne sais pas. On va descendre par là. Oh là, il y a un truc là. Allez-y, votre trajet, vos positions, tout ça. Moi, je suis toi, la dernière personne avec qui j'ai vu Mathéo. Voilà. Et deux à avoir parlé en même temps, on n'a rien compris. Merde. Donc, Mr. Green, vas-y, redis. Dis-nous où est le cadavre, Jake? Non. D'accord. Les alentours de Records, Gaproum peut-être? Non. Ok, il est où? Il est sous la douche, où on prend la douche, pas celle où il faut la réparer. La douche de Main Hall. Ok. Pour moi, c'est très simple. Pendant toute la... ce bout de partie, j'étais avec Ricole faire les leviers et j'ai croisé pas mal de monde à Electrical. Il y avait Ralga, Green et moi à Electrical. Mathéo, à la base, je l'avais croisé effectivement au niveau de l'ascenseur à Gaproum en bas. Là. On avait la même tâche, je suppose. Après, il est parti avant moi, je suis parti faire une autre tâche. Et au moment où j'allais justement faire la tâche de la douche, en fait, lui, il était dedans, mais il était ensanglanté, quoi. Alors après, pour une raison que j'ignore, la porte de médical était fermée. De médical ? Il n'y a pas que celle-là. Hein. La porte qui va au bibliothèque, au kitchen, c'est tout fermé partout. Mmh. Et tu es où, Rim, du coup, toi ? Dans la kitchen. J'ai fait la cassette à security. Je suis allé faire l'upload à viewing deck. Et ensuite, je remontais pour aller continuer une quête dans l'armoirie, mais j'étais bloqué à la porte des cuisines. Et Nori ? Moi, je suis passé, je suis atterri à Brig, je suis reparti vers Main Hall et je suis parti vers Electric Hall parce que j'ai fait le download juste avant à Vault. Et du coup, j'allais upload. Qui vote contre Ralga ? Mmh. C'est le comportement d'un imposteur, ça ? Ou un mec qui aime pas les gens qui regardent à la caméra. Pourquoi j'ai mis Cargo B, moi ? Je suis loin. Ah, merci, merci Nori. Les portes, c'est ma hantise. Allez, le coup de téléphone à un ami. Oh non, j'avais un perfect. Voilà. Monsieur Vert, suivi par Rimfire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de cam à Gaproum. Il n'y a pas de cam à machin, à Gaproum. Mince. Ok, c'est bon là. Qui c'est Rimfire. Je me cachais. Hop là, je suis caché. Qui c'est qui a buzz? C'est moi. Ok. Il est tout frais le corps. Où étiez-vous? Bah là, je m'entraîne au tir avec Rimfire. Tout à fait d'accord avec Jake. Et je reviens de l'alarme qu'il vient d'y avoir. Jake, t'es passé par où après les caméras? Je suis monté pour jeter un œil à l'alarme. Puis le moment où j'arrive, c'est terminé. Rimfire était sur la passerelle et après, on est descendu ensemble à l'armerie. T'es parti vers par Electrical?
Aux caméras, t'as le chemin juste en haut à droite là. J'ai pas encore tous les noms. Hein. T'es passé par les pièces là, tu sais où c'est un labyrinthe là. Après, t'es remonté par Main Hall et après, t'es passé à Shower, c'est ça? Ça, c'était au tour d'avant, ça. C'était pas maintenant. Là, maintenant, une fois que je suis sorti des caméras, juste vraiment en haut à droite, t'as un petit passage étroit qui monte directement. Oui. Au-dessus de sur la map, là, au-dessus d'Electrical, là, à l'échelle. Oui, oui, voilà. Oui. Et après, t'es parti à droite, t'es parti sur lequel, en fait, t'es parti à droite ou à gauche après l'échelle? À gauche, pour monter, voir le bouton d'alarme de gauche. Je sais que moi je suis. Du coup j'étais sécurité avec toi. Il y a l'alarme qui s'est déclenchée, je t'ai vu partir. Oui. Je me suis dit bon, je vais checker les caméras, on sait jamais si je vois quelqu'un qui arrive d'un endroit et que je retrouve un cadavre juste après. Mmh. Et quand je suis repassé, j'ai pris le même chemin que toi. Moi je suis allé à droite dans les douches et j'ai croisé le corps de Seralga, je crois que j'ai trouvé. Bah là vraiment entre le moment où je quitte les caméras. Et je monte à l'échelle, en effet je suis tout seul, mais j'étais bien avec toi aux caméras, et une fois que je suis arrivé là-haut, j'étais avec Rimfire. Donc j'ai le temps de rien faire en fait. Ah. Vous êtes complètement con. Ça n'a aucun sens. What? C'est pas fini? Alors ça, c'est un vote que je cautionne pas et que je viens de faire. Je suis désolé, monsieur Vert. Alors attendez. Salade, oignon, steak, tomate, salade. Salade, oignon, steak, tomate, salade. Salade, oignon, steak, tomate, salade. Les poubelles. Allez! Et enfin, en bas à gauche. Tac, tac, tac. Oh, mais il y a les lumières juste là, en fait. Ah, mais il y a tout qui est... Oh, ouais, d'accord. Okay. Arrêtez de toucher à ça. Qui c'est qui s'amuse? C'est Rim. J'en suis sûr, c'est Rim. En fait, c'était tous les trois. Mais il reste trop de tâches. Purée, c'était lui. T'es sérieux? Méchant. 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 Il m'a tué en premier. Voilà, hein. C'est sérieux. Désolé Draken, t'étais tout seul. Mais oui, j'étais au coffre, je galère depuis tout à l'heure là. Mais je voulais tuer Rimfire à Records quand on a pop. Mais je me suis dit pas deux fois quand même, le pauvre. Ça se fait pas. Vous allez sur le truc du coffre, c'est facile en fait. Mais non, je galère de fou. Ça marche pas. Il faut y aller de façon méthodique, mais elle est facile. Dans quelle direction tourner? Oui, bah non, mais ça je le sais, c'est ce que je fais, mais à chaque fois je tourne, je mets au bon chiffre et ça marche pas. Alors, il faut que tu restes avec le clic de la souris tout le temps. C'est ce que je fais. Ouais, allô, j'ai une question. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait mettre le fil distance en short? Il est pas en short? Non, il est en médium. Il est en médium, hein. En même temps, c'est. Combien ouais, c'est présent, médium, en quelle distance? Je sais pas si long que ça. Ça te pose un problème, Mathéo, ça t'a gêné? Ouais, bon. En fait, non, c'est pas ça, j'aime pas personnellement. C'est juste que, genre, que tu te fais courser par un mec, il reste, vous êtes trois, tu te fais courser. Du coup, je trouve ça plutôt un peu trop long, quoi. Mmh. Ok. C'est pas trop la saison pour les shorts, mais bon. Jake, ça fait trois fois dehors. Jamais 203. Et ouais, bravo. Eh bien, relançons. Et oui. Ne perdons pas de temps. Australie. En tout cas, grosse soirée, Crewmate Simulator pour moi aujourd'hui. Hein. Ah, pareil, moi, comme la semaine dernière. Hein. Pas le coffre. Mais elle est fait, moi, le coffre. Mais il faudra que je m'entraîne dessus, il est vraiment horrible ce truc. Hein. Mute. Ok, c'est bon. Les main hall, de toute façon. Bon, il y a une tâche juste là. On commence par bien se laver. On se frotte de partout. On décape. On pense à la crème de jour, à la crème de nuit, tout ça. Ouais. Bio, hein, bien sûr. Non testé sur les animaux. Ça y est, je suis perdu.
Ok, faut que je monte. On va monter comme ça. Ah oui, la tâche. Oh non, j'aurais dû prendre l'autre. Ah, ça fonctionne pas le bug dans ce sens. Ah non, non, le bug ne fonctionne pas dans ce sens. Ah, flûte. Oh, va falloir que je les fasse tous. Ok. Les lumières là. Tac, 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 tac. Ok, il est où? Oh. Je viens, alors, j'ai un peu piffé, parce qu'avec les lights c'était pas facile, mais il y a le cadavre d'Imra à lounge. Lounge, c'est où ça? En haut à gauche, près des... Au-dessus de Cargo B. En haut, oui, pardon. En haut à droite. En haut à droite, vraiment à droite ou pas trop? Ouais, ouais, tout à droite, au-dessus de Cargo B. Avant de dire quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, qui a réparé les lights? Moi. Mad Gaming. Je les ai réparés tout en bas à bleu. En bas où? Je peux innocenter Ralga, il était avec moi cockpit, il était armurerie dès le début, genre 5-10 secondes après le début. Donc impossible qu'il puisse être allé à Lounge. Et il était avec moi cockpit juste après donc. Non, ce n'était pas moi. Parce que je suis à Meeting Room avec Draken. Je n'ai jamais mis les pieds à armurerie. Il y en avait un troisième qui était armurerie, que j'ai croisé aussi vers armurerie et qui vient de rentrer cockpit là. T'es à Meeting Room? Oui. Je t'ai pas vu. Je t'ai croisé en haut de l'échelle, tu viens de monter l'échelle, exactement. Ah, mais tu m'as vu comment, les lights étaient éteintes? Bah, je t'ai superposé, moi je suis en train de descendre. Mais sauf que moi je suis tout en haut à droite de Records, enfin de Meeting Room, non, donc je suis pas sur le... Oui, enfin, une seconde avant qu'il y ait la report. Franchement, je t'ai pas vu. Alors, je peux même te dire exactement ce que juste parce que le temps vraiment défile. Brig, puis tu es allé vers Vault, et ensuite tu es parti à droite et tu es monté à Meeting Room. Vraiment, le temps défile. Monsieur Vert, on a eu la même réaction au même moment, c'est ça? À peu près, ouais. Ok. Alors, si jamais on a perdu Matt, je pense. Ouais. Oui, on a perdu Matt. Oui. Je suis mute. Oh non! 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 3. En partant par là. 7. 6. Oh mon dieu, j'ai réussi! Bordel, j'ai réussi! Ça a été des bugs. Il faut que je lise le patch. Parce qu'il y a eu un patch note, il y a eu une mise à jour. Faut que je la lise. J'ai pas le temps de la lire, faut que je la lise. Ça a été des bugs. Oh mon dieu, j'ai réussi. Ensuite, on va faire ça. J'aime bien le petit post-it please fix. Les lumières, je sais qu'il y en a par là. 1, 2, 3, 4, 5. On va remonter, hein. Bon, on va pas remonter, hein. Et bonsoir. Bonsoir. Alors, qui a réparé les lights? Moi. En premier. Moi. T'es passé du coup par... À droite. T'es passé par où? Ouais, quand on s'est croisé, vraiment direct à droite, les lights de Cargo B. Je confirme, je l'ai entrevu à Cargo B. D'accord, ok. En fait, je me permets, je suis mort, mais je fais un petit commentaire pour Norishi. En fait, il y a 3 emplacements où tu peux fixer les lights. Ok, d'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Du coup, j'ai bégayé un peu. Du coup, alors, où étiez-vous, vous tous? Alors, moi, je suis à Records, à la porte en bas de Records. J'essaye d'ouvrir... Enfin, je viens d'ouvrir la porte. Parce que les portes étaient fermées. Records. Attends.
et je dois aller à l'endroit où on doit mettre le code à droite de Shower. Ok, Ralga, t'es où? Mais il est mort. Ralga, où es-tu? Ralga, bah, il est mort. Il est mort. Ah, il est mort. Ah, mais il est mort, je suis con. Oh, c'est Ralga que tu as... Okay. C'est Ralga que j'ai trouvé? Ah oui. Oui, c'est Ralga que tu as trouvé. Ah, merde. Rim, du coup, où es-tu? Moi, je suis allé à Volt, où j'ai fait le... Habiller le Travelo, là, qui est en bas à droite. Là. Oh, et s'il te plaît. Bah, ça, il ressemble vraiment... sans déconner, la tenue que j'ai dû lui mettre, voilà. Et là, je viens d'arriver à Engine. Tu viens d'arriver à Engine, ok. Ouais. Le corps est security. Security. En bas, à gauche, ok. En même temps, c'est putain de pas de Ralga, security. Juste devant la caméra. Caméra. C'est tout à fait standard, le concernant. D'accord, je prends deux cartouches sans raison. C'est sympa. Il n'y a pas trop eu d'argumentation là, c'est un peu dommage. Il faut augmenter le temps, on n'a pas assez de temps de débat là. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Point bon. C'est pas par là. Oh non, mais c'est embêtant ça. Ah, bon, je l'ai reçu du premier coup. Oh, ben, c'est moins embêtant du coup. Bon, avant de prendre la plateforme, on va... Qu'est-ce que... Ok, je croyais qu'il y avait un bouton qui s'était allumé là. 01-857. Monsieur Vert va faire la même chose. Rimfire et Nori. Dis-vous tous là. Ok. Je préfère attendre. Oui. C'est moi. Je l'ai eu en premier. On remonte. Je vais leur renvoyer l'ascenseur. Je pense que j'ai dû embêter quelqu'un comme avec ça. Ok. Alors là, c'est ouvert. Tout là-bas. Bonjour. Ah, j'ai fait le tour pour... Encore? Non, c'est fermé? Oui, c'est fermé, mince. Encore? M'arrêtez. Ah, merci, c'est gentil. Ok. Ah bah tout en face, tiens. Ah bah non, pas tout en face, tiens. Voilà. Quoi, ça a pas fonctionné? Ah, fichu carte. Ok. 8-20-03. Oh mon dieu, Samsung, mais c'est Samsung en fait. Elle est hyper longue cette tâche. Oh, encore. Faire cette tâche vite fait là. Je pense que c'est Draken. Sans conviction, mais je pense que c'est Draken. Ok, c'est réparé. Laissez-moi réparer mes câbles, laissez-moi réparer les câbles. Merci, c'est gentil. J'ai fini mes tâches.
Je pense pas que ce soit Nori. Par là, on remonte. On remonte, c'est pas par là, sur la gauche, vite, vite, vite. Encore, mais arrêtez de fermer ces portes. Ah bah du premier coup, tiens. Salut. Monsieur Vert. Monsieur Vert et Nori. Monsieur Vert, il ne serait pas allé là-haut comme ça, sans raison. C'est pas Monsieur Vert, c'est pas Nori non plus. Si c'est pas Monsieur Vert, si c'est pas Nori, c'est Draken. Je pense que c'est Draken. Vas-y, réponds. Draken. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ton cheminement? Alors là, actuellement, je suis à Main Hall. J'étais à Security quand il y a eu le crash de l'avion. Donc je suis remonté par Kitchen, Armory, Engine et faire le premier crash. Je suis à la meeting. Je suis descendu à Gap Room pour faire l'électricité à Gap Room. Il y a eu le deuxième crash, j'ai fait le deuxième crash avec Nori. Je suis parti vers Records, Shower, Main Hall. Et je viens de croiser Mr. Green qui est à Main Hall et qui descend vers Electric Hall. Je confirme. Voilà, okay. Et je vais finir ma dernière quête. De toute façon, je pense que bon Jack, on sait que c'est l'un des deux. Ouais. Clairement, genre. Oui, c'est donc ça, c'est Monsieur Green alors. En fait, je vais te dire pourquoi j'ai dit toi direct, parce que Monsieur Vert, on vient de le croiser aller dans la salle de réunion, mais l'imposteur n'a aucune raison d'aller dans la salle de réunion, vraiment aucune. Attends, il y a la salle de réunion, Mr. Green ? Il y a 20 secondes, 20, 25 alors, secondes. Alors non, juste après l'alerte, j'ai fait l'alerte à gauche, ouais. C'était la dernière, ouais. Puis ensuite je suis monté vite fait à la salle de réunion pour voir s'il n'y avait pas un cadavre qui traînait. Et Nori et moi, on s'est quasiment suivis tout le temps, en fait. Et on a trouvé le cadavre en même temps, là. On s'est perdu genre 15 secondes à un moment. Même pas 15 secondes. Juste après le... Ouais. Il est où, le cadavre? Téléphone de gauche. Vraiment à l'entrée du téléphone de gauche. Téléphone de gauche, c'est où sa communication? Non, en bas, là, le téléphone portable. En dessous l'armurerie. Ah oui, d'accord. Ah oui, tout là-bas. Bah, c'était il y a longtemps, alors. Oh, putain. On est dans la merde. On est dans la panade. C'est la panade. Est-ce qu'il a Ripop hein, comme moi? Non. Je suis le seul à avoir Ripop là. Du coup, on va ouvrir. Oh là, j'ai failli cliquer en dehors de l'écran. Oh bah, je suis à droite, tiens, ça tombe bien. Ça, je comprends pas pourquoi ça s'allume ça. 71-206. Voilà. Monsieur Vert. J'étais même pas muté, tiens, d'ailleurs. En effet. Bon. Ce n'est pas moi. Je vous le dis, ce n'est pas moi. Ouais, dans ce cas-là, c'est pas moi. Nori va dire c'est pas Nori. Non, mais j'ai fini mes quêtes. J'étais parti pour aller à Security. Il y a eu le crash. J'étais en train de. Ah oui, il manque rien sur les quêtes là. Mais par contre, moi j'ai un bug d'affichage. Il me dit que je dois faire des quêtes à Viewing Deck alors que j'ai fait. C'est la même, mais à partir du moment où tu vois toute ta liste à gauche verte, c'est bon. T'inquiète. Green, tu peux m'expliquer juste pourquoi est-ce que quand je suis descendu du coup de l'échelle. Pour aller juste faire le code là, de meeting room pour descendre de l'échelle, t'étais à côté, mais tu tapais pas le code. Alors qu'il y avait quelqu'un à droite.
C'est quand je l'ai tapé, du coup, c'est mis tout de suite, en fait. Bah, pourquoi pas. Non, mais honnêtement, non, mais c'est petit, ça. Elle est ingagnable, cette game, putain. Et elle est honnêtement scandaleuse, en plus. Parce que j'event devant Jake et je crois Ralga à Records sur le tout premier round, et j'ai eu une chance de cocu, vous m'avez pas vu. Non, mais non, t'étais trop loin. Records, c'est laquelle? Les dossiers. Les dossiers, d'accord. Je voulais ouvrir la map de sabotage, sauf que j'ai approché de la vent, ça s'est transformé en vault. Ah, t'as fait comme moi tout à l'heure avec Guy. Ah, c'était terrible. Et puis, putain, on croise personne sur cette map, c'est horrible. Ah, tu m'as croisé main hall, t'aurais pu me tuer à ce moment-là. Ouais, bah après, main hall, c'est compliqué. Après, tu aurais été instant grillé, puisque Jake et Nori, ils étaient ensemble. Ouais. Bah, en fait, c'était forcément l'un de vous deux, en fait. Moi, j'avais des gros doutes sur Green. Heureusement que j'ai voté Green tout à l'heure, parce que sinon, j'étais parti. Hein. Et vous perdez. Non, parce qu'avec 40 secondes de CD imposteur... Je sais pas, en fait, le truc, c'est que je sais pas... Le vote juste avant. On était à deux... On était oui, en draw. Mais avec 40 secondes de cooldown imposteur... avec de cooldown de kill... Oh, en fait, j'étais pas sûr de pouvoir tuer avant la meeting room. Mmh. Alors, il restait des tâches à qui? Moi, j'avais tout fait. Mais alors, est-ce que parce que Mathéo... Mathéo, peut-être, ouais. Kick, ouais. Ça garde ses tâches? Non, ça les enlève, normalement. Parce que moi, là-bas, il restait franchement rien du tout. Hein. Ouais, il restait rien. Ouais. Moi, j'avais plus rien à faire. Benoît, faut arrêter de traîner auprès des caméras. Ah, mais si, je suis con. Eh, c'était moi, les gars, pardon. Voilà. Il me restait mon download à faire, mais du coup, vu qu'on a trouvé le corps, bah non, mon cerveau a bugué. Ah, bah voilà. Bravo, hein, c'est du beau, ça. Hein. C'est compliqué, un poster ici. Alors, arrêtez de traîner au cam. Oui et non, ça permet de voir Jack en flagrant délit. Cet argument de suite. Je suis désolé, mais ça fait deux soirs. Hein. Ça compte pas. Enfin, là, ça fait pas limite deux parties de suite où tu meurs au cam. Mais tu sais que le pire, c'est que je meurs au cam là, alors que je viens d'y arriver. On s'est croisés avant. Bah oui, mais t'es encore au cam, c'est tout. Je vous propose de changer de map et de repartir sur la toute première. Sur Skeld, ouais. Oh, let's go. Ouais, c'est vrai que... Avec grand plaisir. Une plus petite map, ce sera plus simple. Ouais. Un petit retour aux sources, c'est pas mal. Hein. Je sais même plus comment on y joue. C'est pareil, mais en plus petit. C'est non, ça. Déconne. On verra plus de... Alors, le code, est-ce que vous savez écrire un nom en allemand? Oui. D'accord, vous mettez un H au milieu, vous mettez un F à la fin. Non, la négation. Ok. Nein, 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 nein. Ah, non, ah d'accord, ok. N. Il faut me les plaire. Moi, j'ai pas fait allemand LV2. Hein. N comme Norbert. Fin. E comme... Il y a quoi en vieux nom? Edgar. Edgar, c'est bien. I comme Ingrid, je vais dire Hippolyte. Bah, H comme Hippolyte, tiens. N comme Norbert et F comme Florentin. Attends. Ninth. C'est quoi? N. 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 Oui. E. I. Oui. H. Ah. N. F. Je pense qu'il y a plus simple pour décrire un code de partie. N. E. I. H. N. F. Quoi. Vas-y. C'est ça, par exemple. C'est incroyable, ça. En plus, le milieu, du coup, le H n'était pas exactement au milieu. Hein, parce que du coup. C'est au milieu de 4 lettres. Ah, mais c'est plus au milieu, du coup. Pas chipoté. Parce que pour le coup, je l'ai écrit comme tu l'as décrit et j'ai mis le H entre le E et le I et ça m'a fait pareil. Il n'existait pas. Ah, ouais, bon. J'ai compris qu'il fallait mettre le H au tout début et le F à la fin. On fait un ou deux imposteurs sur celle-là? Deux, ça va être compliqué. Hein. Deux, ils font deux, ça va être rapide. Hein. Oui, ouais, parce que deux imposteurs à 8, c'est victoire des imposteurs à peu près. 7. En vrai, et peut-être réduire juste le cooldown du kill. Ouais. Ce 40 secondes, il est vachement... Ouais, sur cette map, tu peux le passer à... Bah, pour le coup, avec un seul imposteur, tu peux le passer à 30. Mmh. C'est ça. Je cherche. Ah, voilà. Voilà. Et le reste, ça vous convient? Oui. Peut-être baisser les tâches, non? J'ai enlevé... Ah non, je viens d'enlever une short task, mais on peut faire autrement. Ah bon, bah c'est bon, alors. Ok. Enfin, on pourra réajuster... Hein. Tiens, ça me fait penser à une question, j'y pensais la semaine dernière et j'ai oublié. Alors, donc, on décoche les visual tasks ici ou on les laisse?
Visual Task ? Ouais, ici, pour cette map. On les enlève, ok. Ouais, on enlève les... Est-ce que pour la map du Zeppelin, on est d'accord, y a, à part la douche, en vrai, il n'y a pas de Visual Task ? Et encore ? Si, la... Il y a la poubelle. L'astéroïde, non ? La poubelle, ouais. Il y a la poubelle, enfin le compacteur ordure avec les feuilles qui est aussi en tâche, mais elle est... je l'ai eu une fois là sur toute la soirée. Je l'ai pas eu la semaine dernière. D'accord. Et le vaisseau ou l'astéroïde, celle-là ? Ça, c'est le vaisseau spatial, ça. Le vaisseau, d'accord. Allez, repartons dans les méandres de Among Us au tout début, au tout début de la création. Let's go. Le fameux écran noir. Il faut un jingle pour ce truc. Il faudrait vraiment un jingle. Et c'est la crewmate party. Allez, on repart sur... Ah oui, on voit en effet, la map, elle est... Ah oui, d'accord, ok. On sait même plus si c'est à l'échelle ou pas, au final. Ok, pendant que Imra fait les astéroïdes... Petite communication... Ok, on redescend. Faut aller à admin. Ici, on n'a rien à faire. J'aurais peut-être dû baisser la vitesse. J'y ai pas pensé. J'aurais peut-être dû baisser la vitesse. Le jerry can ou pas. Heureuse. Alors, où êtes-vous? Storage. Hector, je suis dans storage. Simon, que tu m'as interrompu. Eh bien, je suis désolé. Je suis avec toi, Draken. Je sais pas, je t'ai pas vu. Si, je t'ai vu. Moi, je t'ai vu. J'étais en train de faire le même truc que toi. Où es-tu, Jake? Storage. Par là, j'ai commencé par le download au météorite, là, en haut à droite. Et je suis descendu, là, je suis à storage, j'essaye de remplir mon jerrycan. Ouais, je confirme. Je confirme, je viens de le croiser. Juste à côté, je l'ai vu y aller aussi. Monsieur Green. Mais il est mort. Il est mort. Ah, c'est lui qui est mort. Ah. Alors, pour information, le cadavre est à navigation. Oh, attends, c'est où navigation déjà ? Navigation ? Tout à droite, c'est en haut à droite. Tout à droite, ouais. Ah oui, non, il est fait maintenant, quoi. Parce que pour le coup, moi, j'ai fait deux tasks à cafétéria, je suis passé à weapon, enfin, et après, j'ai rien fait sur le chemin entre cafétéria et navigation, et je suis arrivé à navigation, et j'ai trouvé un saucisson vert. Mais où ça, navigation ? Il était quel ghoul, ce saucisson ? Près de la vente ou pas ? Il était au-dessus du fauteuil du haut, donc dans le coin... Donc près de la vente. Plutôt côté vente, effectivement. Vente qui emmène vers Weapon, mais je n'ai croisé personne sur le chemin. Attends, mais Jake, attends, t'as fait ton download, tu l'as fait où ? Juste au-dessus de toi, pendant que tu faisais tes tirs. Que je t'ai vu traverser. Ouais, je sais pas. Il y avait pas un Rimfire dans le coin avec nous ? J'ai pas vu. J'ai vu que toi me traverser pendant que je faisais weapon et je sais pas si t'as le temps de faire. Sur le trajet, j'en doute sur Rimfire. Bah, moi j'en doute sur toi, mais. On s'est croisé, Jake. Oui, mais justement, on s'est juste croisé. Imra, ça... non. Je pense pas que ce soit Imra. Sauf s'il est remonté. Alors le tueur, s'il vous plaît, ne tue pas tout de suite. J'aimerais bien finir mon Simon. Tuez-le, tuez-le. Tac, tac, tac. Oh ! Ok. On voit plus rien, dis donc. Oh, j'aurais pu remplir le jerrycan au passage. Génial. J'en étais sûr. Et on va faire ça, ce sera fait. Ah, waiting. Le gars, fallait passer de l'autre côté. Le scan, on va le faire de suite.
aurait dû fixe sourire. Oh non, il y a plein de câbles partout. Laissez-moi terminer ça, laissez-moi terminer ça. Y'a personne qui récupère mon corps là, mais il est en plein milieu. Quand même. Ok. Là, de Jake, c'est terrible. Astorage. Voilà. C'est quoi cette voix? Astorage. Affirmatif. C'est dramatique. Alors, c'est pas Draken, déjà, c'est sûr à 2000%. Oui. C'est pas Rimfire. C'est pas Rimfire. C'est pas Rimfire qui tout le monde. Donc, ça se joue en fait entre vous deux. Le seul truc, c'est que Ralga, t'es descendu, c'est ça? Alors, pour le coup, moi j'ai. Enfin, descendu, ça dépend à partir de security. Où. De security. T'es descendu attendez. Après vers storage, du coup, electricity storage. Non, pas du tout, je suis passé en haut en fait. Non, non, et Ralga venait d'en bas de lower reactor, enfin lower engine, et il est remonté vers security. Alors pour le coup, j'ai fait. Pour, si on repart de l'alerte daylight, c'est moi qui ai fait daylight et j'ai croisé Jack. Je l'ai laissé aller, j'ai continué des tâches à electrical et Jack est ressorti. Je suppose qu'il est parti à droite et qu'il est mort dans storage. C'est ça. La porte était fermée à storage, donc je suis remonté vers lower engine. Là, j'ai croisé Rim et je sais plus, c'était Nori et Draken aux caméras, il me oui, semble. Oui, c'est ça. Rim, t'étais où juste à la fin, par contre? En train de descendre vers Lower Engine. Yes. Donc, c'est moi qui ai remis les lights hein, avant le report, hein, parce que j'ai remis les lights et je suis tombé sur le cadavre en partant sur Storage. Ouais. Je parle de l'alerte light avant, moi, personnellement. Impair, je joue vraiment super bien là sur la Et du coup, j'ai eu le temps de faire Upper Engine, Cafeteria, et j'étais dans Admin quand le corps a été report. De toute façon, Draken, c'est soit Imra, soit Ralga, on est d'accord. Non. Tout à fait. Mais non. Parce que Rim, ça aurait été trop. Imra l'aurait vu. Donc moi, je vais pour Imra. Je sais autrement, les... Moi, je verrais aussi Imra, franchement. Arrêtez. Mais non, mais arrêtez. Mais non. Bah, je sais que c'est pas moi, donc je vote contre Imra. Avions-nous tort. Vous avez fait une erreur, les gars. Vous avez fait une belle erreur. Nous avions tort. Dommage, hein. Dommage. Ah, oh, j'ai pas eu le temps. Et bah alors, mon petit Rim? Bah Rim, qu'est-ce que t'as fait? La souris a ripé, je crois. Je crois que la souris a ripé. Affirmatif, il peut pas ripé là. Tout à fait? Oui. Masse. Bon bah, désolé, Imra, mais c'était Rim. Ah, c'est con. Franchement, je suis dégoûté. Il s'est passé quoi? Je suis sûr que c'était pas toi, Rim, en fait. Bah oui, c'est tellement bien. C'est bon, j'ai une couverture tranquille. Mais j'étais persuadé que c'était pas toi. Je t'ai vu traîner un max de temps avec moi. Je l'ai tué il y a bien longtemps, à ce moment-là. Ouais. Bah, en fait, Jack, t'as été tué juste après l'alerte light où on était tous les deux à l'école. C'est exactement ça. Et en fait, j'ai fait deux tâches électricales et entre temps, t'es parti à Storage et tu t'es fait tuer là. Et il y avait la porte fermée, donc je suis parti de l'autre côté. C'est ça. Alors, moi, je tiens à pousser une gueulante contre Jake et Imra qui sont pas allés checker s'il y avait un cadavre dans navigation et qui sont directement descendus vers Shield. Mais je suis pas sûr que quand on est passé là, que le cadavre y était déjà en fait. Hein. Si, si. Ah, si. Ah, si. Qu'est-ce que je le dis? T'as bien utilisé une veine par contre, Im? Pas du tout. Ok. Ah, il a vente, puis il est ressorti de la vente et il est descendu à pied à Shield. Ouais, du coup, vote pour toi, Rim. Bah, il vote pour qui il veut. C'est dommage. Ouais, tu as bien tenté. Suicide. Ah, franchement. Le pire, c'est qu'on joue à gauche, on va à droite, et puis là, tu vois l'animation à côté du sang, tu fais. Bah, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai même pas vu l'animation, moi, c'est mon bouton report qui a clignoté, et c'est là que j'ai. Ah. Ouais, au début, je pensais que c'était Ralga. Donc, Le pire, c'est qu'avoue, Draken, que t'allais faire comme moi, t'allais courir aux caméras, regardez. Tout à fait, parce qu'en plus j'avais une tâche. J'avais une tâche là-bas. Ah non, moi tout était electricity, mais je me suis dit, je vais jouer aux caméras, je sais pas. Non, mais le pire, c'est
Alors, j'aime beaucoup le. C'est soit Imra, soit Moralga. Je suis. D'accord. Oui, j'avoue. Non, mais en fait. C'était ni l'un ni l'autre, yes. Je suis désolé, Imra, d'ailleurs, de t'avoir viré. Mais en vrai, c'était tellement évident, en fait. Parce que vraiment, Rim a passé, mais. C'est moi qui fais le report. Incroyable. Ouais, mais tu peux report, tu peux avoir tué et report directement, quoi. Ouais, mais il y a personne dans le coin sur storage. Ouais, mais forcé de constater que du coup, c'était quand même Rim. Et que donc, il ne pouvait pas ne pas être innocent. C'est ça, il ne pouvait pas être forcément innocent. Oublié. On est reparti. Surtout que là, faut pas oublier qu'on a un kill à 30 secondes et pas 40. Affirmatif. Allez. Le download, ça sera fait comme ça, il est assez long. Ah, il est même très long. Ok, il y a Imra qui fait la même chose. On va faire ça du coup, tant qu'à faire. Hein. Il y a la carte là sur le côté. On voit ma souris ? On voit la souris, ouais. Tac. Draken est à côté. Oh mon dieu, j'ai fait la carte du premier coup. On va, je sais pas, on va aller avec Ricole, tiens. Nori fait le jerrycan. Tac, 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 tac. On va aller. Draken Nori. Ralga et Nori. Oh, bien bonsoir, alors je pense que tout le monde était à Electrical. Sauf Monsieur wow. Green. Oui, là je suis à navigation. Tout à fait. Imra, t'étais où? J'étais à Cafet, j'étais en train de redescendre, justement vers. Moi j'allais passer vers Medical Bay, tout ça pour redescendre sur Electric. Parce que je viens de trouver le cadavre de Rimfire à communication. Du coup, je n'ai vu personne à côté. La com c'est en bas à droite, on est d'accord. La com ouais, c'est en bas à droite, juste à gauche, entre storage et shield. Donc okay. Je veux dire, le plus proche c'est Monsieur Green, mais je ne sais pas si le kill a été fait récemment ou pas. Alors sachant que je suis absolument pas allé à la communication de la partie, j'ai commencé à storage et j'ai fait tout le tour, toute la grande boucle à la gauche en fait, et communication, c'était le dernier endroit de la boucle que j'allais faire et ben, c'est le seul que j'ai pas fait. Donc voilà, je n'ai pas plus d'infos. Alors pour le coup, moi j'en ai. Je pense que vous m'avez vu arriver à Electrical au moment de l'alerte. Oui. Oui. Je venais de Shield, donc je suis passé dans communication. J'ai jeté un coup d'œil avant qu'il y ait l'alerte Light et je n'ai vu personne. Donc le kill est récent. Ça c'est une bonne info. Et Imra, t'es tout seul à la cafétéria. J'étais encore à cafette, ouais. J'étais en haut à gauche de cafette pour les trucs électriques et j'allais aller par Medical Bay. J'ai eu le temps de faire un petit crochet par admin hein, entre communication et Electrical. J'ai juste, mais le kill est relativement récent. Ok, bah j'ai skip perso que j'ai pas d'infos. Ah oui, quand même. Je sais pas entre Monsieur Green et Imra, je sais pas du tout. On va rester sur la gauche pour le moment. Rester sur la gauche. Oui, si, c'est ça, c'est le 1, 2, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va aller là-haut, je pense que ça... Oh non! C'est laquelle déjà, Sunlast Alert?
sais plus. C'est au 2, je crois. C'est un rêve. Il joue bien. Il joue bien. Il les a tous envoyés là-bas. Il a dû me voir et... Allez, on va essayer. Ah, ils sont tous là. J'ai peut-être le temps de finir mes tâches. J'ai peut-être fait le temps de finir les tâches. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Mon cadavre est quand même sur le chemin. Fini ? Ah bah tiens, en parlant de ça. Je dois rester mute. Je viens de trouver le cadavre de Jake à Lower Engine. Et il était un peu caché. Non, tu rigoles ou quoi ? Imra est avec moi. Ralga, t'étais où exactement là, s'il te plaît ? Là, je me dirigeais vers Upper Engine. J'étais dans Upper Engine et j'ai croisé Draken à Cafétaria juste avant. Tout à fait, j'ai bien vu Ralga partir sur la gauche. Ok, eh bien c'est soit Ralga, soit Mr. Green, parce que j'étais admin. Il se plante encore. Et Imra était avec moi. Il se plante encore. Il y avait un Upper Engine et il y en avait deux du coup. Enfin, il y avait Green avec le cadavre. Merde, du coup j'ai pas goûté. Je pense que c'est l'un de vous deux. Et pourquoi en fait ? Parce que du coup, j'ai pas mis les pieds à Lower Engine. Parce que, ouais, Ralga, à aucun moment. Enfin, quoique, avant l'alerte, t'es arrivé d'en bas, donc le storage. Tout à fait. Mais. Déjà, Nori et Mr. Green, vous avez mis du temps à mettre le code au 2. Alors, moi, il y a Green qui était déjà dessus, déjà depuis. Vous avez mis du temps à mettre le code au 2. Bravo, super, je suis celui qui a fait le code au 2 à droite, mais passons. Bah oui, justement, c'est pour ça que je dis, parce que j'ai eu le temps de mettre le code et Ralga m'a rejoint à admin, de faire tout le tour arrivé au 2 pour que vous mettiez le code. Moi je suis arrivé après, Mr. Green était déjà dessus. Je savais pas s'il allait le faire ou non, du coup je l'ai quand même fait et il l'a fini avant que je le finisse. Par contre, ça peut également être Ralga qui venait de storage quand j'ai fait le code au 2. Après, Ralga il était avec moi pendant un moment Electrical, il aurait pu me tuer largement. Non, il est plus bien. Il y a 30 secondes de cooldown, donc. Il argumente bien. Pas tout le monde, mais il se plante. Mais il se plante totalement, Nori. Hein? Admin, hein, il n'y avait pas tout le monde là. Il y avait du monde. On était nombreux, mais. Il y avait toi, moi et Ralga. Oui. Ouais. Bon bah, direction la dernière tâche de mon côté. Voilà, j'ai fini mes tâches. Mes petites tâches. Qui c'est qui est mort là ? Qui est pas mort ? Grimfire, il est mort. Ah mais, en fait on est que deux... deux ou trois. Restez ensemble, ouais. Comment est-ce qu'il va jouer ? Pourquoi il s'arrête là, il fait demi-tour ? Non, il refait demi-tour. Qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche. Il les cherche. Non, tu vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir. Ouais, t'es encerclé là. Non, Nori, attention. Mais pourquoi tu vas tout le temps? Ah ouais, on peut te cacher en fantôme. Trop bien. Il reste là, il réfléchit. Ils sont deux. Ah ça y est, ils ont un doute. Ils ont un doute sur Imra. Ah c'est le moment là. Ah je l'aurais tenté. Là franchement je l'aurais tenté. Kill stack plutôt. Stack kill. Là il fait semblant d'être au cas, enfin on fait semblant, mais il a quand même des infos. Oh mon dieu. Attention à ce que tu fais. C'est bon, Nori il a compris. Je pense que Nori a compris que c'était Imra. Ouais, vous y êtes tous là. Vous y êtes tous.
Qu'est-ce qu'il... Ah, c'était comme... Ah, c'est Draken. Draken est sur les coms. Ok. Oh, vicieux ça. Vicieux, Imra. C'est dangereux. C'est dangereux parce que tout le monde sait que t'es tout seul là avec Nori. Très dangereux. Il va y retourner. Il va se remettre dans son coin. Voilà, il va réfléchir. Non, non, il passe juste en faisant genre. Ah. GG. Première victoire des tâches. Qui était-il ? Mais c'était injouable. Vous étiez full stack sur toute la fin. Bah oui, on avait fini nos tâches. Moi j'étais au Vitol, ça, depuis tout à l'heure, t'aurais pu me tuer. Oh, mais c'était injouable, mec, c'était clairement injouable. Hein. J'ai été complètement con, la dernière tâche que j'ai eu à faire, c'était les échantillons à Medbay où il faut attendre. c'était toi à Medbay, je me dis merde, il doit avoir un mort à Medbay et il bouge plus. Mais du coup, j'ai eu un doute sur toi, Imra, quand l'alerte O2, moi j'étais à Lower Engine, je pars vers O2 et toi je te vois partir vers le réacteur. Ouais, parce que je voulais remonter, voir s'il y avait des gens qui traînaient. De toute façon, là, j'aurais pas pu faire de kill, hein. C'était impossible. Mais là, ouais, Nori, c'est toujours mute. Tout le monde était stack sur toute la fin, enfin, genre vraiment. Ah ouais, bien vu, ça fait 3 seul, minutes, hein. Je parle. Yes. Bah oui, je vous doute bien. Et je te disais, du coup, Imra, t'aurais pu me tuer 20 fois là quand on était dans la même pièce là, Story. Non, non, il aurait pas pu, non. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui passait en fait. Et on a jamais. Enfin, j'ai jamais eu quelqu'un d'autre tout seul. Jamais. Baisse encore un peu le kill, je pense. Ouais, une dernière, mais en baissant un peu le kill, ouais. Mais... Oh, une petite d'air. La petite terre. Vraiment la petite. Non, peut-être pas à ce point, mais. Je me mets du 25. Je propose qu'il y ait 6 atmosphères. Il y a 5 secondes. Quoi? J'ai dit combien? Il y a 6 imposteurs avec un kill à 5 secondes. 6 imposteurs? Ah. Ce serait intéressant de faire des mods comme ça. Il y a des trucs qui ont été faits. Il faudra se renseigner sur les. Je sais pas si c'est des mods ou si c'est. Enfin, juste des règles tacites. Des règles tacites, oui, on peut en trouver plein. On avait déjà tenté des histoires de cache-cache ou des trucs comme ça. Mmh. Mais après, ouais, ça serait bien que l'histoire de, par exemple, 6 imposteurs, c'est très rigolo. Tout le monde essaie de se tuer les uns les autres et à la fin, il ne restera qu'un, comme dans Koh-Lanta. Il y a le mode shérif aussi qui est drôle. Oui, et le proximity chat aussi qui est pas mal. Ça, c'est marrant. Ça proximity chat, j'ai un peu plus de mal, tu vois. Tu sais ce que c'est, le mode shérif, Jack? Non, enfin le nom me parle, mais pas plus que ça. En gros, tu as parmi les crewmates un shérif qui a le rôle shérif, mais il n'y a que lui qui sait qu'il est shérif. Mm-hmm. Et le shérif a le droit de faire a le droit de kill. Sauf que s'il kill un imposteur, il survit. S'il kill un crewmate, c'est lui qui meurt. Attends, mais c'est tiré des règles de quel jeu, ça? Je sais plus, mais... Est-ce que ça me dit quelque chose? C'est comme un perso de loup-garou, quoi, grosso modo. Mm. Oui, c'est ça, c'est loup-garou chasseur. Ouais, c'est ça. Ah bah ça doit être ça, ouais. Enfin, allez. Du coup, ça ajoute une... Parce que du coup, le shérif peut se dévoiler, tu sais, dans les meetings. Mm. Mais du coup, ça devient une cible de choix. Et complètement, ouais. Voilà, donc... Et typiquement, j'étais tellement persuadé que c'était Mr. Green, l'imposteur sur la game d'avant, que je pense que si j'étais shérif, je lui aurais tiré. Tu serais mort. Tu aurais mouru. Mais je piche pas cette fixette sur moi là toute la partie. Pourquoi? Je sais pas en fait. C'était souvent proche des kills et souvent t'étais tout seul en fait. Pourquoi moi j'ai remplacé Jake? Bah oui, mais alors pour le coup, Skeld en étant groupé, c'est chiant. Imra pourra confirmer. Le truc c'est que t'étais souvent à l'opposé de tout le monde en fait. Genre t'étais vraiment Pour le coup, Skeld, c'est comme ça que je la joue. On était tous répartis à gauche et entre guillemets en bas à gauche jusqu'à storage, tu vois, de storage à upper engine. Toi, t'étais tout seul à navigation, quoi. Bah oui, et j'aurais fait la grande boucle. Bon, on fait la petite dernière, les copains. Allez, go. La petite dernière. Yes. Simulator, encore. Je ne sais pas, peut-être. Alors, peut-être. Sympa. Les chargements sont beaucoup plus longs, je trouve. Oui. Ouais. Oui. Chromate. Eh bien, ok, soit. Donc Ralgar est parti. Attends, qui c'est? C'était orange ou rouge que j'ai vu là? Orange ou rouge? Orange, c'est Draken. Mais Draken, il a mis un pantalon orange aussi.
j'arrive plus à la faire en entier, ça, là. Enfin, d'une traite, du moins. Alors, tac-tac. Oh, des boucliers. J'aime bien ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Allez, on remonte. On remonte. On remonte pas, redescend. Vite. Grimfire, il s'est mis pris dans le mur ou... Ok, bon, bah on va faire la carte. Du premier coup, efficace et pas cher. C'est la carte qu'on préfère. Allez, on vidage de poubelle. Electrical, il y a... Oh non, il y a Medbay. Oh non, de suite Medbay. C'est un truc long à Medbay. Voilà. On va passer par là pour aller à Electrical. Et un body jaune a été retrouvé. Vous êtes où? En bas de storage. Je sors de Meds B, je me dirige vers Electrical par la gauche. Il me reste avec moi. Je suis à l'origine. En déplacement vers la caméra. Le cadavre de Nori se trouve à côté de la vente d'Electrical. C'est original. Bah, il y a un download ici, donc... Là, je sors de Medical avec Imra, en fait. Ouais. Ok. Ok, Imra, t'as vu rentrer Jake ou pas? On s'est rejoint à Medical B quand j'ai fait le scan. Mais est-ce que tu l'as vu rentrer? Non. D'accord. Mais il était déjà là quand toi t'es rentré. Yep. Ok. Bah, attends. Imra, t'étais dans la salle avant que je rentre. Hein. T'étais en train de faire le scan, je suppose, et moi, je vais cliquer le bouton des fioles. Ouais, enfin, peu importe. Bah non, l'ordre est important. Bah non, bah oui. Savoir c'est qui était là en premier. Et qu'as-tu fait, Rain, toi? J'ai fait l'alerte aux deux à admin. Oui. J'ai eu un doute sur Imra parce que je l'ai vu rentrer à Electrical au moment de l'alerte, mais en fait, je pense qu'il est juste allé vérifier qu'il n'y avait pas de cadavre dans Electrical parce que j'en sortais. C'est ça. Attends, Imra, tu viens de trouver le cadavre maintenant à Electrical? Non, c'est moi qui ai trouvé le cadavre. Il faut regarder l'icône. Oui, mais je veux dire, t'as trouvé le cadavre à Electrical et tu dis qu'Imra était à Electrical avant. Non, ça c'était pendant l'alerte. Ah, d'accord, ok. Pas de maintenant. Okay. Oui, non, mais ça, je dis, c'est bizarre, comment il aurait pu faire? Bon, bah, qui pond? Je me remute, pardon. Je répondais à un message. Alors, vu qu'il y a eu ça, on peut aller faire ça. Tac. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça. Oh mon dieu. Il y a des tâches que j'ai oubliées. Hein. 3 Electrical, 2 de... Enfin, les câbles là. Les diverses power to shields. Tac, tac, tac. Bonjour Draken. Vous avez tous du mal avec cette tâche sur la droite là. C'est impressionnant quand même. Ok. C'est storage. Ok, on va passer par là. Salut Draken. Ah bon, on doit avoir les mêmes. Tac. Tac. Allez, la dernière. La petite d'air. Et tâche. Terminé. Les tâches sont terminées. Il n'y a personne ici. Salut Draken. On monte. Voilà, il n'y a personne. Personne. On redescend. Il n'y a personne. Voilà, Electrical. Personne ici. Electrical est déjà réparé. Enfin, du moins les lights. Bon, on va quand même... Ou pas. C'est qui le dernier à être arrivé aux lights? Moi, j'étais le premier.
J'y ai pas mis là, les pieds. J'ai trouvé le cadavre d'Imra à Storage, donc chemin nord-ouest. Donc je pense qu'il venait d'admin pour aller faire l'alerte light. Et quand j'ai quitté admin, donc il était en train de faire... Il y a Ravga qui vient juste d'arriver au light à l'instant. D'accord. Ouais. Excusez de Storage. Oui, tout à fait. Nous sommes sortis d'Electrical en même temps et je suis allé faire la poubelle tout au sud. Et je revenais vers Electrical après. Présentement, je me trouve à réacteur à gauche, en passant par Medical, en passant par Cafet et en passant ensuite sur le chemin tout à droite. Du coup, l'histoire de Storage et Electrical, j'ai pas mis les pieds là. La dernière personne que j'ai vu traîner du côté d'Imra, c'était Draken. Oui, j'ai fait mes câbles. Je crois qu'il a fait des câbles. Je suis parti à Electrical justement pour vérifier s'il n'y avait pas un cadavre. J'ai vu que Imrim faisait les bidons d'essence. Au moment où les lights se sont éteints, je les ai remis tout de suite parce que j'étais à côté. Il y a Ralga qui est arrivé juste après, Rim aussi. Et c'est tout. Bon, en vrai. Et j'ai fini mes tâches. Voilà, il doit rester une tâche à deux personnes et demie. J'ai fini aussi les tâches. Ça va m'en rester une, je crois. Il me reste une masse définie, je sais pas où. Donc bon, on skip, on finit vos tâches. Allez, go. Gratuit ça. Draken ne bouge pas, Monsieur Vert et moi-même sommes là. Mais du coup, on a laissé Ralga et Imra, je crois, tout seul. Attendez, il y a une porte qui s'est fermée là, non ? Ah non. Comment ils s'appellent ce jeu ? Les chaises musicales. On joue aux chaises musicales. Bon, Alga, tu peux le dire que c'est toi. Alga, là. C'est vilain, monsieur Alga. Non, pas pourquoi. Ah, non. Le report, il porte vachement loin. Je voyais pas le cadavre de Rem, ouais, par contre. Pareil. Alors, en fait, on t'explique, Alga. Il y avait Jake, moi et Mr. Green qui sont restés au bouton. On n'a pas bougé. Et techniquement, et Jake, on a bougé. Ouais. Tourné autour de la table. Voilà, on jouait aux chaises musicales. Voilà. Et il n'y a que toi et Rem qui avaient quitté la salle. Alors, pour être honnête, j'ai donc fait le tour par la droite. J'ai tué Rim du coup à la porte, la porte sud de cafétéria, et j'ai commencé à me balader et tout. Je suis à sécurité pour donner. J'ai croisé personne et là j'ai commencé à me dire. C'est con. Je commençais à me dire, c'est con, ils sont restés à cafétéria et je l'ai dans le cul. Ouais. En plus, à cette distance-là, tu nous voyais. Ah, remarque. Ouais, non, on était peut-être en dehors de ton écran en fait. De pas grand chose. Ça a dû se voir. Il y avait rien. Ah oui, de toute façon, il aurait tué Rim, ça aurait été pareil. Par contre, je comprends avec les pas. J'avais fini avec mes tâches, donc vous avez encore des tâches à finir. Et peut-être les fantômes. J'ai tout fait. Et au niveau de nos amis, les fantômes. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui a été oublié à mettre B ou un truc comme ça ? Mon Aïma ? Ouais, alors j'ai eu un bug. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait les fioles. Après, je suis mort. Après, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller finir les fioles. J'ai fait toutes mes autres quêtes. Il me restait plus que les fioles à finir. Je suis allé pour terminer les fioles. Et vous avez buzzé au même moment où j'ai cliqué pour finir la quête. Et quand je suis revenu, du coup, parce que j'ai vu qu'elle n'était pas finie, je suis revenu, ça m'a remis en fait à une minute. Comme si je devais refaire la quête. Ah, ouais. Ah, merde. Du coup, j'étais obligé d'attendre les 30 secondes qui restaient pour finir. Logique. D'accord. Voilà. On aurait merci dû voter Draken. C'est Draken en fait, c'était Draken, hein, on le sait. Tout à fait. Ouais, c'est bon, j'ai fait mes deux games imposteurs tout à l'heure. Bon, c'est bon, tout le monde aurait été imposteur. Même Imra aussi. Oui, même Imra. Ouais. Mais pour le coup, j'ai senti venir le truc quand je me suis dit j'ai croisé personne. Il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de louche. Le pire, c'est qu'au début, moi je pensais que c'était soit Jake, soit Grid. Et je le vois qui commence à tourner autour de la table, je me dis. Il y en a, il va se faire slash tout en bas de la table. Ah bah non. Oh bah non, pour moi, Jake était à peu près safe.
parce que je croyais à son histoire. Pour moi, alors avant qu'il meure, Imara était safe aussi, parce que quand t'es imposteur, globalement, tu vas pas aller checker s'il y a un cadavre à Electrical. Tu vas directement aller à O2 pour tenter de te faire dédouaner. Du coup, j'hésitais globalement entre Draken, Rim et Ralga. Mais il n'y avait pas assez d'infos à ce moment-là. Et accessoirement aussi, Rim, j'ai tenté d'utiliser Rim comme alibi. Je l'ai suivi pas mal de temps. J'aurais eu le temps de le tuer 25 fois, mais je ne l'ai pas fait. Et là, sur la dernière game, je fais putain, mais le seul que je croise, c'est toi. Et quand il y avait la barre d'état, je me suis dit, bon, bah, je suis obligé de le tuer, quoi. Merde, fais chier. Pas de bol. Bon, mais c'était plus mais on a speedrun les tasks aussi, là, sur Skeld. Ouais. J'avoue. Sur ce, c'était une agréable petite soirée en votre compagnie. Mais oui. Pour ceux qui ont follow d'ici de là, merci à tout le monde, celles et ceux. Pareil pour s'il y a eu des raids, s'il y a eu des abonnements. Merci à tout le monde. Ce soir en stream, il y avait Imra, il y avait Another Mr. Green, il y avait Rimfire. Et côté Ivasand, c'était moi-même Jake. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Pensez à follow si c'est pas le cas les différentes chaînes. Côté Ivasand, on se retrouve la semaine prochaine, début de semaine, pour la suite de nos aventures. Et côté programme des copains, pensez à aller directement sur leur chaîne pour leur propre programme. Revenez au Discord, on poste pas mal de choses, notamment des infos, et petit à petit il va y avoir du podcast aussi sur de la radio. Cordialement, bisous. 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 Et à la semaine prochaine.